close to the sun. Yeah. Donc c'est parti les Cros pour Close to the Sun. J'espère que c'est cool. Comme je vous dis, j'avais déjà joué au jeu. Enfin, j'avais commencé vite fait le jeu il y a longtemps. Du coup, je me souviens plus du tout et on se refait ça. On se refait ça quoi. Let's go. Chaque chapitre a ses propres objets thématiques dédiés. Essayez de les trouver tous pour en apprendre le plus sur l'Hélios. Prologue, la virtuosité d'Ada. Ma chère sœur, je suis partie soudainement et sans t'avertir. Pour cette raison, et pour d'autres à venir, je suis désolée. En allant sur l'Hélios, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que mes recherches pourraient changer le monde. Et on l'a fait. Ça va fort. Encore, en tout cas. Je veux maintenant tout expliquer, pour que tu vois qu'il n'y a rien à craindre. Ça va fort! Tu as toujours essayé de me protéger, ma grande sœur, mais c'était écrit. C'est à moi de te protéger maintenant, si les choses veulent bien se dérouler comme elles le doivent. Les aléas de la vie nous ont tenus éloignés, mais ça va changer. Nous avons besoin de toi sur l'Hélios, avec moi. Je te fais parvenir un récepteur. Avec ça, nous pourrons communiquer grâce à ces signaux. Tu ne dois pas comprendre grand-chose de tout ça pour l'instant. Mais je sais que tu tiendras ta promesse. Je t'aime. Ta sœur, Ada. Adada. Ça manque un peu de détails, tout ça, Ada. Ouais, ça a fort. Oh là là, il y a un problème, là. Et la voix est carrément saturée. Attends, il y a un souci, là. Tu pars sans rien me dire et maintenant tu me veux sur l'Hélios? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Ça va beaucoup trop fort. Ils ont craqué, hein. Je vais mettre à 3, hein. Ah, ils ont déconné, là. Putain, ouais. Ok. C'est good? Bienvenue, Hardcore35. Ok, bah écoutez les crosses, c'est parti. Regardez, comme c'est beau. Nous sommes en pleine mer. Nous naviguons vers d'autres cieux. C'est bon le son là ? Ces annonces automatisées. Eh, il y a des bugs. Hein. Vous entendez? Vous avez entendu là l'alerte? Il y a rien eu. Oh, putain, mon PC est hanté. Ok. Bah, direction l'Hélios. Donc là, en fait, on est dans un petit bateau qui nous emmène à l'Hélios. Si j'ai bien compris. Il y a beaucoup de boutons ici, hein. Là. Storm in a Tea Coop presents. Ah bah voilà les Hélios, regarde, on y arrive. Nous y voilà. Rassurant. Pas rassurant du tout. Ah ouais, le bateau il s'ouvre comme ça quoi, carrément. Vache.
Elle est pas mal l'ambiance, hein. Close to the sun. Yeah. Je suis chaud. Chapitre 1. Les frontières d'Hermès. All right. Monter à bord de l'Hélios et entrer en communication avec Ada. Donc Ada, c'est notre sœur. Pour ceux qui veulent l'histoire du jeu, vous tapez dans le chat point d'exclamation story. Vous aurez un résumé de l'histoire. Et voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a personne, quoi. Le bateau, l'Hélios, là, il est... Je pensais que le grand Hélios serait plus... animé. C'est clair. Je suppose qu'Ada n'a dit à personne que je venais. Il y a son père, quoi. Il y a son père. Il y a une baleine ou quoi? Vous avez vu comme c'est grand? Est-ce que je peux courir? Ouais. Je vais devoir m'inviter toute seule. Le rat du vaisseau, espion actif à isoler et à éliminer. Ok. Salut Sir Nasrim. Yo Ego. Ah, vous arrivez au bon moment là les gars. On va rentrer dans le vaisseau de l'angoisse. Ward & Cliff, une société qui distribue de l'électricité à la... Et les voix, c'est... ça va beaucoup trop fort, les voix. ...moitié du monde, et qui a soif de... C'est incroyable. ...conquérir l'eau. Pourquoi ça va si fort, les voix? Autre moitié. Ok. Et rentrons. Une quarantaine? Dans quoi est-ce que tu t'es fourré, Ada? Bonsoir, Scare. Salut, Gwen. Wow! Super. Ça fout les boules, hein. Par contre, ça brille un peu. Je vais essayer d'augmenter. Je suis désolé de passer autant de temps dans les options, mais ça, c'est assez mal foutu. Volume des effets, on va mettre à 5. Ouais, ok. Et graphisme, on va essayer de mettre... anti-crénelage, on va mettre à 6. Voilà, ça pique moins les yeux. Hello ? Vous savez bien que je suis tout seul. Ça me fait penser à Dead Space, tu sais, le début du jeu. Il y a personne. Et y a-t-il quelqu'un dans ce rafio? Bon, il y a déjà du sang à terre, c'est pas très bon, hein. Pas du tout même. Suivons le sang. Ah non, c'était de la peinture. Ah ouais. Ascenseur droit devant. Désactiver les deux commandes manuelles pour ouvrir l'ascenseur. D'accord. Donc l'ascenseur est là. Ok, let's go. Bah moi ça va très bien, Ego. Bonjour.
Hey ! Il y a quelqu'un ? Monsieur ? Ah, je suis pas seul, hein. Eh, je suis pas seul, hein. On essaie de me faire croire que je suis seul, mais pas du tout. Il y a une sacrée ambiance sur ce raffio. Ouais, j'aime pas, je me sens pas bien, là. Ici Nikola Tesla qui vous parle. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce navire est sous quarantaine stricte. Personne n'est autorisé à embarquer sur l'Hélios ou à en débarquer. Et pourtant, vous voici. Encore un espion envoyé par Edison, je suppose. Peu importe. Les déplacements dans le navire ont été restreints. Amis ou ennemis, attention, vous mettez les pieds. Eh bien, quel accueil chaleureux. Donc en fait, on est dans Qu'est-ce que tu as bien pu faire à ma sœur? Pour ceux qui demandent, on est dans un univers parallèle. Enfin, dans une autre dimension. Où Tesla a construit ce bateau, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de technologies, d'électricité et tout à l'intérieur. Parce que c'était lui le chef, quoi. Profil manchot suspect d'être un agent dormant. Trouver des preuves qui confirment ou non cela. Ok. Anaya Patel, 28 mai 55. Pays Inde, ok. Technicien de laboratoire. Passeport d'Anaya, d'accord. Enchanté, Nanaya. Enchanté, Nanaya. Allez hop, et de 1. Plus qu'un. Donc là-bas, il y en a un qui s'est activé. On va aller faire l'autre. Par là. Je sens mal la lumière là-bas, attendez. Ça va... Regardez, on parie combien que la porte va claquer devant moi. Je commence à connaître hein, les jeux d'horreur, tu sais. Je commence à savoir comment ils fonctionnent. Tu vois. Je commence à... Ok, le deuxième est là. Salut Toshi, ça fait un petit moment que je te regarde incognito, c'est ma chérie Ludi05 qui m'a fait connaître ta chaîne et du coup j'aurais quelque chose à te demander, possibilité de discuter en MP hors live ou pas. Ouais bien sûr Hardcore, vas-y hein. Vas-y hein. Tu m'envoies un petit MP et on discute. Hop. Ça devrait suffire. Plus qu'à trouver Ada. Le deuxième. Ok. Il a une autre tête lui. Profil vapeur menace imminente, autre appellation Mathias Ellis. Bon, l'ascenseur est libre, on va pouvoir y aller. Let's go. Une carte clé usagée servant pour l'ascenseur à l'entrée de l'Hélios. Ah bah très bien, je prends. Allez hop. Ah putain, il m'a fait peur ce con. C'est quoi ce bordel? Hé Hé Merde. Ils sont forts. Ça c'est fort, je trouve, dans les jeux d'horreur. C'est quand on te fait croire que t'es seul pendant un long moment. Ça me fait penser à Bunker 16 à l'époque. Pour moi, un bon jeu d'horreur, c'est ça. C'est on te fait croire qu'il n'y a personne. Et on voit des trucs qui bougent, on voit des... Tu vois, ça c'est horrible. Chapitre 2, le feu de Prométhée. Ça marche, Hardcore, y'a pas de soucis. Explorer l'Hélios pour retrouver Ada. Adada. Yoharun. Recherche Archer, je lance un appel à tous les survivants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quoi? Je répète, ici la directrice de recherche Archer qui lance un appel à tous les survivants sur cette fréquence. Est-ce que Ada? Quelqu'un... Rose? Ada? Bon sang, Rose? Ada? Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, quoi? Ada, tu m'as demandé de venir. J'ai ta lettre avec moi. C'est pas possible. Je ne t'ai écrit aucune lettre, Rose. Mais oublions ça, il y a eu un accident. Ou un sabotage, peu importe.
Nous devons quitter ce navire. C'est pour ça qu'il est en quarantaine ? Ada, que se passe-t-il, bon sang ? Rose, écoute-moi attentivement. Nous devons vraiment partir. Ça se propage. Ada ! Ada ! Allez. Le doublage. J'aurai peut-être un meilleur signal avec ce machin si je continue d'avancer. Le doublage est vraiment bon, hein. Le doublage du jeu. Comparé à Paper Doll. Comparé à Paper Doll, y a quand même une belle évolution. Hein. Alors attendez, il faut que je règle un petit truc là-dedans. Tac. Tac. Voilà. Bienvenue, Sharikan. Quel genre de cinglé construit un musée de lui-même dans sa propre maison ? Je crois qu'il a 15 heures de jeu, Loua. Ah non, on peut pas comparer les deux, hein. C'est incomparable. Après, je vais pas cracher dans la soupe. Moi, quand on me propose un jeu d'horreur en VF, c'est bien. Même si le doublage est nul, c'est bien. Voici la machine avec laquelle je comptais débarrasser le monde du fléau de la guerre. Une fois pour toutes, mon cher rayon de la mort. Cela peut sembler contradictoire qu'une telle... Et les voix sont à 1. Les voix sont à 1, vous entendez comment c'est fort ? Chose puisse promouvoir la paix. Si nous étions dotés d'un tel objet, nul n'oserait lancer la moindre action militaire contre nous. Enfin, c'est du moins la théorie. Vous, je suis pas le seul à les entendre, les alertes, là. Est-ce que vous venez d'entendre une alerte, là ? Vous venez de l'entendre ou il y a que moi qui l'entends, là ? Trop bizarre, hein. Mon PC est hanté encore. Putain. Ah, vous l'entendez aussi, hein ? Ok. Ouais, c'est trop bizarre. Le PC est tenté. Le PC est tenté encore. Oula. Qu'est-ce que... Par contre, le gros problème du jeu, c'est le son, en fait. Le son du jeu est mal mixé. Donc des fois, ça va fort et des fois, ça va pas fort. Quelqu'un ? Salut, les gars. C'est une fête masquée, c'est ça ? Ça me rappelle un terrible jeu. C'était Lusk for Darkness, je crois. Terrible. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Rose ? Tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais... Qu'est-ce que je fous là ? Si tu n'as pas écrit la lettre, qui l'a fait ? C'est bien ton écriture et tout. Ça va te sembler bizarre, mais... Il se peut que ce soit moi. Pas le moi présent, mais un moi du futur. What ? Je sais que ça paraît dingue, mais je te promets que je peux tout expliquer. Retrouvons-nous dans mon appartement, et de là, nous nous échapperons ensemble, ok ? Nous nous échapperons de quoi, exactement ? Ce n'est pas sûr ici, Rose. Ça se propage dans tout le navire. Je te dirai tout quand on se retrouvera dans mon appartement. Tu dois te trouver une carte-clé de Faraday à la réception dans le hall principal. Elles sont conservées dans un coffre sur le mur. La combinaison devrait être notée dans le coin. Grâce à la carte-clé, l'ascenseur t'amènera automatiquement dans le bon district. Tu as tout compris ? Ouais. Ouvrir le coffre, prendre la clé, puis l'ascenseur, te retrouver à l'appartement, c'est compris. Super. Je vais pas pouvoir te recontacter de suite par radio, alors va là-bas et fais attention, d'accord ? Ça marche. Mais quand tu arriveras, il me faudra des réponses, ok ? Ok. Ah, et Frangine ? Même si je ne sais pas pourquoi ou comment tu es arrivée là, ça me fait sacrément plaisir. À très vite. À très vite, Frangine. Alors attends, parce que là j'ai le code, mais comment on le... C'est 142. Mais attends, c'est quoi ce délire ? Comment je vais faire ? Oh, je déteste ça. Mamma mia.
Oh putain, ils ont mis le pire truc à faire. J'y arrive jamais, ça. Bien glauque, on dirait une secte. Non, mais c'est une secte, hein. C'est une secte. C'est sûr que c'est une secte. Par contre, ça, les crows... Deux. 1, 4, 2. Donc si je mets le 4... Ah, mais c'est facile, en fait. Mais je suis trop con. Ben voilà. 1, 4, 2. C'est bon, là? Putain, c'est pas bon. Ah, attendez. Ben non, c'est pas ça. 1, 4, 2. Faut le mettre où, le 1, 4, 2? Ah, faut peut-être... Faut le mettre dans le gris? Putain, je comprends pas. J'adore le jeu pour l'instant, mais ma seule critique, c'est qu'avec 1%, on entend les voix comme 10%. Bah, je suis désolé, je peux augmenter, hein, mais ça va vraiment fort, quoi. Je vais mettre à 3. Je vais mettre à 3. T'as une flèche? Ah, d'accord! Ah oui, ok. Ok, ok, ok. Ah, bah voilà. Voilà, parfait. C'est bon, on l'a. Bingo. Bingo. Une carte clé pour l'ascenseur. Tu vois, les voix vont vraiment fortes, quoi. Allons, on se casse. Oh, c'est bon, oui. Ah, bienvenue, Mathéo. Très bien. Hop. J'espère que ça va marcher. Ça va le faire. Ça va le faire. Il est bien, le jeu, hein. Moi, j'aime bien l'ambiance. Je sais pas, il y a un truc dans ce jeu que je kiffe. Puis le fait que tout soit en VF, c'est bien fait. C'est bien foutu. Même les voix sont bien faites, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Chapitre 3, la maison d'Estia. Oh, c'est quoi cette odeur? Je sens rien, moi. Encore une autre? Ah, on voit des espèces de d'hallucinations, c'est trop bizarre. Regardez. Wow. La nouvelle succursale de Wardenclyffe en Amérique du Sud ravive les tensions. Edison menace de reprendre les actions en justice contre l'expansion. Hein, des complications. Ok. Rose, est-ce que tu es dans le district de mon appartement? Ouais. Mais cette porte veut pas s'ouvrir. Du calme, championne. Essaye d'utiliser ton poids conséquent pour la forcer. Je sens mal. Rose ? Oh merde ! Que se passe-t-il ? Ils sont en pièces, Ada ! Merde ! Sors-moi de là ! Comment je sors ? Rose ! Rose ! Ça va aller ! Rose, écoute-moi, tu fais une crise de panique. Concentre-toi sur ma voix, Rose. Ferme les yeux et concentre-toi sur ma voix. Respire. Mon Dieu. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ils ont été massacrés, oh. Ada. Qui ? Ou qu'est-ce qui a fait ça ? Nous ne savons pas pour l'instant. Mais pour le moment, on doit te mettre en sécurité. Va jusqu'au centre du complexe d'appartements.
Il y a un générateur qui peut ouvrir les portes. Concentre-toi là-dessus. Je suis en route. Je te recontacte très vite. Fais attention à toi. Je vais essayer. Bon, 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 bang, 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 bang. Donc là, la question, c'est qui a pu faire ça, les Crows? Quel genre de monstre ou de je sais pas quoi a pu faire ce genre de truc? Hein? Time is not a river. Le temps n'est pas une rivière. Ah oh, la vache, regardez. Regardez comme c'est beau. C'est de toute beauté. Allez jusqu'au centre du complexe, ok. Let's go. Le temps n'est pas une rivière, gros indice. On s'est arrêté ici il y a de ça 2 ans, je crois. Oh la vache. Il y a des gens, hein. Eh, je suis sûr, c'est des gens de la secte, ça. C'est des sectaires, ça. Hein. Est-ce que ce sont des visions du passé? Ça doit être ça. Voyons si on peut avoir un peu d'éclairage d'ici. 1, 1, 2, 1, 3. 1, 1, 2, 1, 3. Ok, boum. Yes. Oui. Ok. Je n'ai plus qu'à trouver l'appartement d'Ada. Dada, dada, dou. Dada, dada, dou. Ada. Eh ben, il était temps. Qu'est-ce qui t'a retenu? Bonjour. Qui êtes-vous? C'est pas Ada. Si vous avez fait du mal à ma sœur, je jure devant Dieu que je vais vous mettre en pièces. Je n'ai blessé personne, d'accord? Je m'appelle Aubrey. Et je suis très, très content de parler enfin à quelqu'un qui n'est pas en décomposition, vous savez. Ah, laissez tomber, désolé. Mais vous devez me faire sortir d'ici. Je suis coincé dans la salle des machines, côté tribord, pont 82. Je suis piégé, en fait. Vous pouvez venir rapidement? Écoutez, mon gars, je ne peux rien promettre. Je vais sortir ma sœur de ce machin, mais si on peut, on viendra aussi vous chercher. Qu'en dites-vous? Oh oui, bien sûr. Ne faites pas attention à moi. Je vais rester ici et mourir de faim. Pas de problème. C'est fantastique. Vous savez, Benny qui est ici dans le coin est mort pendant la fuite d'énergie exotique. Mais il a encore assez de matière dans son caleçon. Il pourrait vous en prêter la prochaine fois qu'une personne vous demandera de l'aide. Ça vous donnera peut-être le courage nécessaire pour agir et faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il raconte? De l'énergie exotique? Alors lui, je le sens pas du tout, tu vois. Lui, je le sens pas du tout. Archer Ada. Haha, quartier Alpha. Il me reste à trouver comment entrer. Nickel. Écoutez, mon vieux, comme je disais, on fera ce qu'on pourra. À qui parles-tu? Ada? Oh, Dieu soit loué. Oui, alors un certain Aubrey utilisait notre fréquence. Il disait être coincé dans la salle des machines et il a parlé d'une énergie exotique. J'aimerais bien avoir des réponses. Rose, je préférerais t'expliquer ça en personne. Ce non, n'est pas... Ada, c'est maintenant le bon moment pour m'expliquer tout ce bordel. D'accord, d'accord. Je serai brève, écoute bien. Nous avons découvert des anomalies de résonance quantique qui valident la théorie de l'électron unique. Cela signifie que chaque électron dans l'univers est le même qui se déplace en avant et en arrière dans le temps. Donc, nous avons naturellement commencé à imaginer une seconde dimension temporelle rattachée à l'analogie euclidienne de l'espace de Minkowski. Et je sais Ada. Ce que tu te dis. Comprends, Ada, hein. La conjecture de Thompson dans Ada, tout ça. Ada, et Ada, là, c'est Ada, Ada, intéressant. Stop. C'est à moi que tu parles. Oublie le vocabulaire de spécialiste. C'est vrai. Ok. Une grosse expérience a mal fini. Elle a créé une déchirure dans un courant temporel et des choses dangereuses s'en sont échappées. Ce sont ces choses qui nous tuent. Tous.
Nous avons essayé de les contenir, mais... Pour faire simple, nous devons partir. As-tu trouvé mon appartement? Ouais, mais le quartier Alpha est verrouillé, je peux pas entrer. J'imagine que tu n'as pas un double de la carte clé quelque part. Merde. Non, attends. Si, j'en ai un. Enfin, mon amie Elisa en a un. Bon sang, j'espère qu'elle va bien. Elle est au rez-de-chaussée, quartier Gamma. Gamma? Dans ce cas, l'entrée est recouverte d'une toile de fil électrique alimentée. Je peux pas m'en approcher. Est-ce que tu peux couper la source d'alimentation? Le code de commande manuel devrait être écrit dans le quartier Epsilon des invités. Fastoche? D'accord. Je vais trouver le code de commande manuel et désactiver le générateur. Fastoche? Écoute, je passe... Ah. Nous y voici. Code de priorité 33212. Voilà. Ah bah voilà. Et bah à partir de là, les Crozes, à partir de maintenant, je découvre le jeu. Parce que, ouais, quand on avait joué il y a de ça longtemps, j'étais bloqué là, en fait, je trouvais pas le code. Et là, on vient de le trouver en 2 secondes. Donc voilà, à partir de là, ça va être totale découverte. Donc attends, le code c'est quoi? 33212. Ok, let's go. Parfait. 33212. Il y a une inspi Bioshock, hein, Loua. Non, mais clairement. Alors, 33. 212. Putain, c'est bon. Aïe. Ça y est. On l'a fait. Le serveur Discord, il est dans la description du live. T'as une petite image, c'est marqué Discord, tu cliques dessus et c'est bon. Bonsoir Incognito. Tu vas bien? Voilà, donc à partir de là, les Crozes, c'est totale découverte. Hein. Donc là, je pense que je vais vraiment kiffer ce qui va se passer. Enfin, j'espère. Donc c'est par là qu'il faut passer. Gamma, ouais, c'est ça, go. Allez. A plus T. Wow. Ouais, c'est des visions du passé en fait qu'on voit. Regardez. Ces deux là, à mon avis, c'est eux là. Oh là, il y a des corps de partout. Ouais. Regarde-moi ça. Ils ont pas fait le ménage. Hein. Tout le monde est mort. What? Regardez le nombre de corps. Des rats. C'est chaud quand même. En fait, il y a une guerre entre Edison et Tesla, j'ai l'impression. Mmh. What? C'est violent. Coucou les amis! Wow! Oh. Repose en paix, Elisa. Deuxième carte clé de l'appartement et des quartiers d'Ada. Donne à son amie Elisa les cartes clés. Ok. Nous y voici. Les cartes clés d'Ada. Allons-y. Putain, mais. Elle s'est suicidée. Ok, bon, on a les clés. On va essayer de... Si, en fait, Luarn, mais on est là, on est dans un univers parallèle. On est dans une autre dimension où Tesla et Edison se faisaient la guerre. Donc voilà. Retour au quartier Alpha. Au moins, je connais le chemin.
Bienvenue au Red Gamer. La forme ? Ok, retour au truc alpha, let's go, on se corse. Le cercle doit être brisé. Le cercle doit être brisé. Le cercle doit être brisé ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Salut HK, en gros, ouais voilà, il y a un résumé dans le chat de l'histoire. Là, l'ambiance commence un peu à chauffer. Hein. Eh, ça m'énerve, ça bug. Il se passe un truc bizarre là. Allez, il faut que ça marche. Oui. Oui. Ah, je suis content, ça marche. Il y a quelqu'un là-bas. Tu crois que je t'ai pas vu, pépère? On m'observe. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens ici, bon sang? Adam doit beaucoup de réponses. Ouais, il y a une ambiance steampunk horreur là. Ça me dit rien qui vaille. Il y a une lettre là. Il s'est passé un truc, on sait pas exactement quoi, mais il s'est passé un truc. Ah bah elle est là, ah bah elle est là notre sœur, attends. C'est son appart. Elle est là, non? Ouais, c'est bien la chambre d'Ada. Elle n'a jamais su la mettre en ordre. Lol. Elle est où? Elle est pas là, je suis sûr. Tu es la plus futée, mais tu te retrouves quand même dans ce bazar. Serette ? Bah, tu t'es pas pendu, toi, au moins, c'est bien. Bah, elle est où ? Ouais, non, mais ouais, c'est ça, Louarn, elle est plus là, hein. Ah, c'est nous, regardez. Je n'avais pas vu cette photo depuis des années. Notre enfance. Quand a-t-elle pris fin ? Hey Rose, où es-tu ? Je suis allée à ton appartement et... Si on veut sortir vivante de ce navire, je dois comprendre ce qui se passe. Par exemple, tu as dit qu'un « toi » du futur a écrit la lettre qui m'amène ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes recherches concernent l'exploitation de boucles dans le flux temporel. Alors un futur moi écrira cette lettre et je ne sais comment trouvera un moyen de l'envoyer dans le passé pour que tu viennes sur... Lelios. Eh merde! Je crois avoir compris comment. Écoute Rose, il faut que tu mettes la main sur un document très important. Il y a un endroit secret dans ma cabine. Trouve-le pendant que je traverse un autre département de recherche. Je te donne un indice. Il a un rôle central. C'est tout? Tu vas me laisser trouver le là. Reste toute seule. Non mais c'est simple, regarde. Amuse-toi bien. Non mais c'est simple. Regarde, on doit trouver un... Non mais là c'est tout con. On doit trouver un passage secret dans la piole de notre sœur. Regarde le rond à terre là. Ça s'ouvre ça. Le rond là, il s'ouvre, j'en suis certain. Alors maintenant faut savoir l'activer mais... Regarde. Il y a des rails. Je suis sûr que c'est ici.
Il est pas tout jeune ce jeu. Oh, il doit avoir 300, je dirais, Dragmar. Vous en pensez quoi, vous, les Crozes? De ce dessin là. Il y a le tapis là, non? Ou alors c'est pas là, je me trompe? Je me trompe peut-être. Bouge un tableau, je pense, pour déverrouiller. Je dois bouger un tableau? Ah oui, là, regarde. Bien vu. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Là, ça. Non. Ça. Ok. Ok, la boule là, elle est où? J'ai compris, en fait faut, voilà, genre là il faut regarder ce qu'il y a dessus. Donc là il y a un éclair, donc la boule égale éclair. La boule égale éclair. Ça. Ok, voilà. Ensuite le losange. Le losange il est... Là c'est le carré. Des bonnes petites énigmes, hein. Ok, le feu c'est la boule. Donc si le feu c'est la boule, logiquement le vent c'est ça, je pense. Ah, dommage. Paulm, bienvenue Paulm. Alors attends, le triangle. C'est le vent. Le triangle, c'est le vent. Ok, la boule, on a dit que c'était le feu. Mais non! Mais si, c'était... Ah non, c'était là. Ah putain, c'était ça. Ah, je me plante, c'est électricité. D'accord, ok. Je vais l'avoir, les Crozes, hein. Je vais l'avoir, vous inquiétez pas. Je vais l'avoir. Mélo le lavabo. Bienvenue, Mélo le lavabo. Donc, le triangle, on a dit que c'était le vent. Le losange... C'est le losange que je sais pas en vrai. Le losange, il est où le losange? Ah, il est là. Donc le losange, c'est quoi? C'est le B. Le losange, c'est le B. Ça. Ok! Et le triangle, c'est... Je crois que c'est l'électricité. Attendez, je vérifie. Non, c'est le vent. Ok, c'est bon, on l'a. Ok, c'est good. Ah bah au final c'était là et le... Putain, je me suis planté. Ah, j'étais presque sûr que c'était au centre de la pièce et pas du tout en fait, c'est là. Oh là là, par contre... Embarque sur l'Hélios. On va se retrouver et on va bien rigoler. Ouais, je me suis compris, Voka, ça va. Peut-être plus tard pour le seul qui s'ouvre. Ah, peut-être. C'est possible. Ok, donc on a trouvé l'endroit secret de notre sœurette. Rebonsoir, Kaichou. Eh, Kaichou, le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment cool. Alors, c'est ça, les recherches qui vont permettre à la lettre de remonter le temps. J'adore ça. Je les imaginais plus épaisses.
Quand ça parle de voyage dans le temps, j'aime bien. Comment ça se passe? Assez bien, même si je crains d'avoir trouvé une erreur dans tes jolis calculs. Il manquerait plus que ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? Alors, tu as des vecteurs de gnomes sans masse qui s'entremêlent avec les dimensions de la cuillère relativiste. Ce que tu viens de dire n'a strictement aucun sens. Tout comme l'intégralité de ce carnet à mes yeux. Ces équations vont te permettre de renvoyer la lettre dans le temps. Oui, et comme tu l'as reçue, ça veut dire que j'y suis déjà arrivée. Ou que je vais y arriver, selon l'angle depuis lequel on regarde. C'est trop bien. C'est réconfortant de savoir que au moins je vivrai assez longtemps pour l'écrire. Mais ces recherches ont beaucoup plus de valeur. Elles pourraient tant nous apporter à nous tous. Promets-moi de les protéger. Promets-le-moi. Ça marche, je le promets. Et maintenant quoi? J'ai divisé les recherches en deux parties. Tu n'as que la moitié. Je suis en chemin pour récupérer l'autre moitié. Maintenant, je vais devoir traverser le labo de biologie. Qu'est-ce que... Bon sang! Ada? Oh, je suis coincée! Ada? Je suis coincée dans le labo de biologie! Rose? Allô? Est-ce que Ada? Je... Rose? Ada! Saloperie de récepteur! Ouais, Kaisu, t'inquiète. Pour le résumer, c'est assez compliqué. Mais tu regarderas la rediff, t'inquiète. Mais putain, l'histoire est vraiment bien. En gros, c'est notre sœur du futur qui nous envoyait la lettre du début. C'est un truc de dingue. Ok. Donc elle est au laboratoire de biologie. Très bien. On va sortir du coup. Et la meuf a quand même un bar dans sa piole, hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même classe. Allô? Ah, notre dernière arrivante. C'est un plaisir de vous oh, parler c'était enfin, cela. Ma chère. C'était cela. Je me permets de me présenter. Je suis Nikola Tesla. Je sais qui vous êtes, mais allez voir ailleurs que je puisse parler à ma sœur. Je crains que ce ne soit pas possible. Comme vous devez le savoir, l'Hélios est en quarantaine. Et pour que cette quarantaine fonctionne, je ne peux pas vous laisser, la directrice de recherche Archer et vous, ouvrir des portes de confinement à travers tout le navire. Les dégâts causés sont déjà assez importants. Je ne peux pas vous laisser en causer d'autres. Vous deux, allez donc rester là où vous êtes jusqu'à ce que la situation soit résolue. Vous nous enfermez ? Mais nous serons à la merci de tout ce qui traîne dans le coin. Soyez sûr que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour remédier à cette situation. D'accord. Et ça se passe comment, hein? Un navire plein de scientifiques morts. Le grand Hélios bat de l'aile. Où elle est maintenant votre énergie illimitée? Pour le mouiller. Ah le bâtard. Échapper au confinement du quartier Alpha. Mec Rose. Ada? Tu vas bien, Ada? Hey, salut, c'est encore moi. Oh, c'est vous. D'abord, je me fais piéger, et maintenant ça. Piéger? Vous aussi? Comme moi alors, hein? Un conseil d'expert dans ce cas. Trouvez-vous un coin qui ne soit pas encore souillé par la puanteur de la mort. C'est la première étape. Ce n'est pas le genre d'aide que j'espérais. Alors vous pouvez me sortir d'ici? Eh bien, ça dépend. Où êtes-vous? Quartier Alpha du district Faraday. Une sorte de porte de confinement s'est refermée. Vous pouvez l'ouvrir? Puisqu'on en parle, si je le fais, puis-je compter sur vous pour m'aider à me sortir d'ici? Ma situation est... légèrement plus compliquée. Aubrey, la porte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez chercher votre sœur. Je comprends. La famille d'abord, tout ça. Mais moi aussi, j'ai de la famille, vous savez. Je suis toujours coincé. Aidez-moi, et je vous aiderai. D'accord, Aubrey. Marché conclu. Aidez-moi à trouver ma sœur, et nous viendrons vous chercher. Je le promets. Parole de scout. Excellent. Alors, il va falloir que vous vous écartiez de la porte de confinement pendant que je fais ma petite sauce. Dites-moi quand vous aurez trouvé de quoi vous avez... Ok, je suis... Très bien, c'est parti. Bon sang, Aubrey! La porte a failli exploser! Désolé, vraiment désolé. C'est ma faute. Il
se peut que j'ai envoyé un rien trop de jus dans les lignes d'alimentation. Je reviens dans une minute. Juste le temps d'effectuer un diagnostic et d'en toper 5 à Penny. Je crois que ses bras sont quelque part dans le coin. Ça marche. Beau boulot, Aubrey. On se reparle bientôt. Les voix sont vraiment bien. Les voix sont vraiment cool. Alors du coup, je sais pas du tout où je dois aller. Votre heure est venue. Ce sera bientôt terminé. What? Du sang rouge pour du sang de temps. Ah mon Dieu. C'est horrible. Le temps n'est pas une rivière. Oh, il y a un peu d'infiltration. Mais c'est cool. Eh, ça commence à me plaire là. Connexion avec Wistelin confirmée, c'est lui. Je garde ma couverture en attendant les instructions pour une arrestation coordonnée. Encore un espion. What? Putain, regardez, il est là-bas. Est-ce qu'il va revenir? Ou pas? Je sais pas. On va continuer. Ah, on peut se mettre accroupi et tout. Ouais. Je suis le maître du monde. La ferme. Je viens de voir un type se faire éventrer par un cinglé avec un couteau. Oh non, c'est Ludwig. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Sortez-moi de là. Ah. Ok, allez jusqu'à l'entrée de la station du monorail pendant que j'essaie de comprendre. Tant que vous y êtes, vous pouvez m'amener au labo de biologie. C'est là que ma sœur est coincée. Si elle ne peut pas venir à moi, j'irai à elle. Contentez-vous d'atteindre les portes de la station. Bon, ça part un peu en couille. Faut que je trouve la station de métro. J'ai aucune idée de où ça se trouve. Ouais, les sous-titres étaient mal synchro là pour le coup, ouais. Mais ce jeu est vraiment bien, non? En vrai, les Crozes, c'est pas genre un putain de jeu? Puis on nous prend pas par la main, tu vois, comme là je dois aller au métro. Bah on me dit pas où c'est, j'ai même pas de carte. Objectif principal, atteignez le métro. Mais j'ai pas de carte, hein. Vraiment? On doit chercher. On doit chercher. Non, on n'a pas envie, Loarn, on n'a pas envie. Bon, attendez, le métro, ça peut être où, ça? Ça augmente la durée de vie du jeu? Ah oui, de chercher, ouais, je pense. Hein. Ouais, clairement. Rail Station, bah c'est là, non? Attends. Je suis aux portes. Ouvrez-les. En silence. Bah cette c'est fois. Bon, c'est là en fait. C'est juste là, c'est oui, marqué là. Dame. C'est parti. En douceur. C'est bien. Ouais, ça fait penser à BioShock, c'est trop bien. Oula, oh merde. Qui merde, va là merde, 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 merde. Stop. Hein? Hein? Ah. Mais... Ah! Ah! Qui va là? Stop! Oh putain! Faut courir! Ludwig veut ma peau! Ludwig veut ma peau! Vite! Sauve-toi! Merde! Je dois aller, Aubrey! Wow! Courez! Courez! Wow! Dieu, Aubrey!
Je suis en panique. Merde! Je dois aller auprès! Bah à gauche. Courez! Mon Dieu, auprès! J'ai trouvé! Tout au bout de la station! Tout au bout! Le dernier wagon! Sortez dans le dernier wagon tout au bout de la station! Allez-y! Qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Mais dégueu! Je sais pas où aller, les Crows. Qui va là? Stop! Je sais pas où aller. Attendez, on va essayer de se concentrer. Au bout de la station. Merde! Je dois aller auprès. Courez! Mon Dieu, auprès! J'ai trouvé! Tout au bout de la station. Ah là. Tout au bout. Le dernier wagon. Sortez dans le dernier wagon tout au bout de la station. Allez-y. J'y vais. Toi, tu es à moi, Rose. Tout est ta faute. J'ai rien fait, moi. Échapper autant, Rose. J'aurai ma revanche. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ça va, Scott? Vous avez réussi. Waouh, quel sprint. Yes. Je l'avais dit, Benny, elle court bien. Bon sang. Elle en peut plus. Hein. Inspirez. Expirez. Elle en peut plus. HK, merci pour les 150 bits. Victoire après 3 morts. C'est une belle victoire. Chapitre 4, Louvre de Dédale. Hey, ici Aubrey. Des nouvelles de votre sœur? Non. Je suis inquiète. Elle aurait déjà dû me contacter. Le confinement doit aussi bloquer ses transmissions. Elle doit aller bien. Et est-ce le bon moment pour vous demander comment Ludwig connaissait votre nom? Il m'a peut-être prise pour quelqu'un d'autre. Je préfère ne pas y penser. Mais il connaissait quand même votre nom. C'est la voix de ma mère. Il doit donc être un peu au courant de ce qui... Wow. Aubrey? Au secours! Je m'en occupe! Donnez bon! Ça bouge encore, Aubrey! Arrêtez le wagon! J'essaie! Oh. Ah ouais, les rails! Ah merde! On va mourir! Aubrey! Oh oh! Sautez! Hein? Sautez, Rose! Hein? Là! Ok, je saute! Bah! Merde! Sauter. Vous allez bien, Rose? C'est pas passé loin. Oh, Dieu merci. Merci, Aubrey. Ça aurait pu mal finir. Ah bah oui. Alors, où suis-je? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise en premier, toujours. Je pensais pouvoir vous guider jusqu'à votre sœur au labo de biologie, mais de toute évidence, ça n'arrivera pas. La bonne nouvelle, c'est que je sais précisément où vous devez passer pour y arriver. Et que je peux vous éclairer un peu. Oh! Eh? Une lumière au bout du tunnel. Vous avez compris? Une lumière au bout du... Ferme
ferme là. C'est... Ouais. Bref, suivez le tunnel jusqu'à la station suivante. Salut. C'est assez simple pour moi. Ça va? Je vais aller vers la lumière. Génial. De mon côté, je vais réparer deux ou trois choses. Je reviens dans un moment. Tu vois, Benny, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Allez vers la lumière. Il est un peu fou, non? Aubrey, il est un peu fou. Hein. Bon, bah très bien. Parfait. Donc l'objectif, c'est quoi, là? Atteignez la station au bout du tunnel. Mais là, il y a du feu, mec. Il y a du fire, là. Super. Plus de feu. Ah oui, bah oui, le feu, ça brûle, ouais. Ah bah oui, quel con. Quel con. Bah oui, le feu, ça brûle, les crozes. Bisous, Scott, et bonnes vacances à toi. Hein. Bonnes vacances et bonne route à vous. Des gros bisous, Scott. A bientôt. Profite bien. T'avais un levier en bas? Salut Gabi Mouroui. J'avais un levier en bas? Ah ouais, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Il y a un levier là. Eh, vous avez une meilleure vue que moi. Vous avez une meilleure vue que moi, ouais. Bonne nuit, Kaichou. Profite bien aussi de tes vacances. Allez, c'est bon. Très bonne surprise ce jour. Rose, vous avez réussi? Aubrey, oui, je suis à la station. Où est-ce que je vais maintenant? Vous êtes au labo de technologie. J'ai déjà redirigé l'énergie vers la section dans laquelle vous allez entrer. J'ai pris la liberté de mettre en surcharge quelques portes pour mieux vous guider vers les labos de bio. Vous n'avez qu'à suivre le courant. Mais n'oubliez pas que je n'ai pas pu toutes les avoir, alors soyez prudente. Ok. Il y a autre chose que je devrais savoir sur cet endroit? Eh bien, qu'il ne sera probablement pas joli joli. Donc, bouchez-vous le nez. Benny sentait mauvais quand il était en vie, mais la chair en décomposition, c'est un tout autre niveau de puanteur. N'est-ce pas, Benny? Hein? Tu sens la mort, quand même. C'est assez morbide. Vous êtes sûr que tout va bien, Aubrey? Je me sers du bras détaché de mon meilleur ami pour me gratter le dos. Bien sûr que non, ça ne va pas. What? Continuez à traverser les labos de technologie. Je reviens dans un moment. Il est vraiment bizarre, ce coup. Je commence à bien l'aimer, moi. Ah, je me méfie au début, mais là, il me fait rire. Je commence à bien l'aimer, Aubrey. Alors, du coup... Heureux, sire. Ah, par là. Oui, c'était bien ça. Audrey, il en peut plus. Il va péter un câble. Non, mais bientôt, il va... Non, mais vraiment, il va vraiment péter un plomb. Hein. Aubrey, en fait, c'est un gars qu'on a capté à la radio. Et on sait pas trop qui c'est. Et il nous a dit, en gros, ouais, si tu vas sauver ta sœur, bah, sauve-moi en même temps, je suis bloqué, je sais pas où. Donc, pense à moi, quoi. Et là, il nous aide bien. Il a le contrôle sur l'Hélios. Il arrive à péter des portes. Tu vois, il a le contrôle sur l'Hélios, donc voilà, on sait juste ça de lui. Ouais, il est bien Aubrey. Eh, allez, je prédis, je sais pas pourquoi, je le sens. Mon intuition
Je pense que Aubrey est une intelligence artificielle. Je pense qu'Aubrey n'est pas humain. Ces visions spectrales me donnent la chair de poule. Tu dois sacrément avoir foiré ton expérience de voyage dans le passé pour apparaître comme un fantôme dans le présent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes ces morts. Est-ce que c'est... Comment ? Ludwig ? Est-ce que c'est Ludwig qui a tué tout le monde au couteau ? Ça fait quand même beaucoup de morts, hein. Entrer dans les labos de technologie pour trouver comment atteindre Ada. Wow. Bon, bah pas par là, du coup. Oh là, ça commence à faire peur, là. Regardez. On entend des cris de monstres. On est dans une ambiance à la Alien. Oh putain. Oh putain. Oh putain, ça va chier les crouses. Donc, un sabotage a déclenché la quarantaine. Quarantaine qui n'est pas parvenue à contenir le danger. Soit. Malgré tout, il y a trop de corps ici pour être le résultat d'un seul psychopathe. Exactement, fou. C'est ce que je disais. Il manque quelque chose. Exactement. C'est exactement ce que je disais il y a 30 secondes. Ludwig a pas pu tuer tout le monde. Pas possible. C'est beau. Wow. Comment ça se passe, Rosie ? Et quel est donc ce bruit assourdissant ? Ah oui, à ce sujet, vous pourriez éteindre cette machine à éclairs au-dessus de moi ? Ah. Oui, je vois quel est le problème, mais... Désolé, Rose. Ça ne répond pas à mes commandes. Super. Alors je fais quoi ? Ce que vous savez faire de mieux, ma chère, courir. Mais cette fois, il vous faudra aussi éviter les éclairs. Et il n'y a pas un moyen d'éteindre ce truc d'ici ? J'allais y venir. Wow ! Il y a deux commandes manuelles d'urgence. Ok. Vous allez trouver deux panneaux. Il faudra les activer tous les deux. Ça devrait calmer la bestiole illico. Je reviens dans un moment, Rosie. Ce bruit donne des maux de tête à Benny. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Oula. Catastrophe. Ah. Je me suis fait eu. J'ai compris. Je me suis fait prendre par un éclair. Ok. Regardez. Hop. Ah, mais c'est déjà fait. Ok. Alors, attends. Maintenant. Oh putain. Ça a marché ? Mais je pense à Shkok, je pense que ça va arriver. Hein. Tout ce qui est monstre et tout, ça va arriver. Hein. J'en suis. Ma main a coupé. Franchement, rien à reprocher, graphisme, animation, scénario, doublage, énigme, etc. C'est pour ce genre de découverte que je suis là. Et bah ça fait plaisir, HK. Moi j'adore aussi. Hein. Pour l'instant, c'est un kiff. Hein. Mais je pense vraiment que la peur va arriver, j'en suis presque certain. On nous prépare le terrain là. Hein. On nous prépare le terrain, j'en suis sûr. Ouais, puis tu vois, les énigmes se passent bien. C'est fluide, je galère pas. C'est... T'entends ça, HKO? T'entends ça? Qu'est-ce que c'était que ça? T'entends ça? Je te l'ai dit, HKO. Je te l'ai dit. Ça va faire peur.
Ouais, regarde. Je te le dis, moi. On va choper un gros monstre dégueulasse. Ah, si, on l'entend depuis tout à l'heure en plus. Hey, stop! Ok, donc lui il est en train de fuir un truc. Il a vu ma tronche, il est parti dans l'autre sens. Rose, réponds s'il te plaît, Rose. Ada? Rose, oh Dieu merci, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais morte d'inquiétude. Oh, le nombre de morts. Mes transmissions étaient brouillées, mais j'ai trouvé une solution. Je suppose que Nicolas t'a enfermé, toi aussi? Ouais, mais je suis sortie. Je suis presque au labo de bio. T'y es toujours, pas vrai? Le Quoi nombre tu de as cadavres. Tu as pu échapper au confinement? Comment? C'est ce type, Aubrey, qui m'a aidé. Il est coincé, lui aussi. Et il m'a sauvé la vie. Alors il faudra qu'on aille le chercher avant de partir, je lui ai promis. Oui, bien sûr que oui. Mais d'abord, les recherches. Elles sont la clé de tout ça. D'accord. Est-ce que t'as pu récupérer l'autre moitié? Non, elle est dans le théâtre. On se retrouve juste après que tu... bloc opératoire. Il a fallu que tombe Ada sur une pièce et... Je perds encore ton signal. Ada Rose. Rose. Oh, merde. On est dans les chiottes. Culé, va! Ah, on a un nouveau code! Putain, mais j'ai bien fait d'ouvrir cette porte en vrai, on a eu un code. 32. Retenez les crosses, 3222. Ok, si on trouve un coffre. Je vais garder ça. Ouais. 3222. Salut Cassie! 3222. Oh là là, mais what? Ça pue. Alors je sais pas si je dois retourner en arrière ou pas. Peut-être aller là-bas, attendez. Je l'ai trop vu venir le streamer. Ouais, c'était la dernière porte des toilettes, donc forcément, ouais. C'était quasi sûr. Ah, on l'a. C'est quoi, 32 122. Oh là 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 là, ça se passe tellement bien. Mais ça se passe tellement bien. Le karma est avec moi. Oula, c'est quoi ces trucs bleus là? Pourquoi il y a du bleu là? C'est quoi ça? Je peux aller dedans? Regardez. Bleu. Marrant. Je sens moyen là. C'est quoi ces traînées bleues là? Ça se rapproche, les crozes. Ça se rapproche. Wow. Ouais, bah faut que j'y passe. Pardon, excusez-moi. Désolé. Eh, c'est trop bien. J'imagine fait. Que cette brume bleue est la raison de la quarantaine. L'exo, si je me souviens bien. L'exo. Ah d'accord, donc l'exo c'est le truc bleu. C'est la matière bleue, d'accord. Eh ben on a de la force hein. Okay.
On se tire. Jamais je tends ma main. Jamais je tends ma main. Vite. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ça lag un peu, je suis désolé. Ça lag un petit peu là. Oh là là là. Waouh, c'est pas passé loin. En vrai ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ça, ma chère, c'était une des anomalies temporelles. Cette chose a un lien avec le temps. Comment je suis censée comprendre ça ? Voyez le temps comme un système biologique. Ces choses sont simplement des anticorps qui nettoient les saletés, à savoir nous. Mais comment vous savez ça ? Comment vous saviez qu'il fallait fermer la porte ? Eh bien, ils ne sont pas très subtils. Là où va l'énergie exotique, ils la suivent. Pas si dur à manipuler quand on sait ce qu'on fait. Ça fait 3 fois que vous me sauvez. Merci, Aubrey. Donc, savez-vous où votre sœur est coincée dans les labos de biologie ? Ouais. Elle est au bloc opératoire. C'est près d'ici ? Oui ! Vous êtes tout près ! J'ouvre toutes les portes que je peux pour que vous y accédiez. Il y a une salle d'observation juste au-dessus du bloc. Vous devriez la voir de là-haut. Bref, allez donc saluer votre sœur. La voie devrait être libre. Ah, j'y vais, Aubrey. Merci encore. Il est un peu trop gentil avec nous. Hein, il est un peu trop gentil avec nous, Aubrey. Hein. Bon, allez, on va rejoindre notre sœur, les crosses. Ça y est, c'est le grand moment. Anna. Le nombre de corps, c'est impressionnant, ouais. Le nombre de corps qu'il y a à terre, là. Oh là là. Mamma mia. Je crois que c'est par là. Oh là là. Eh non, c'est bien. Il se passe quoi là ? Ah, il est là ! Putain, je crois que je viens de voir le monstre. Attends. Salut toi ! Ça va ? Je crois que je l'ai vu là. Faut que je passe de l'autre côté. Ah, ça doit puer le cadavre là. D'ailleurs, une sale odeur. Hein. C'est en pleine décomposition en plus. Avec les mouches et tout. Oh putain. What? Oh, regardez la taille de la main. Il y avait un truc, j'ai pas vu. Putain, il y a un truc qui était juste derrière. Ok. Expérimentation animale, contrôle de la météo, manipulation temporelle. Tout va bien. Est-ce qu'il y a une étude qui n'était pas menée ici? Oh là là, cette marée de sang, mon dieu. Ah, elle est là. Elle est là, notre sœurette, Anna. Elle est là. C'est elle, hein. Saloperie de machine. Hé, ton vocabulaire. Rose. Oh mon dieu. Ma grande sœur est là. Ma grande sœur est là. Oui. En effet. Et nous deux, ma chère sœur. Nous fichons le camp d'ici. Alors, comment je te rejoins ? Il y a une porte sur ta droite, un petit couloir, des escaliers, tu ne peux pas les rater. Je descends tout de suite. Ada ? Je n'ai rien fait du tout. Ada ! Sors ! Sors tout de suite ! Ah. Je peux pas. Rose, je peux pas. Rose, écoute-moi. C'est bon. Vraiment, ça va aller. Tu es là pour moi. Et pour ça, je t'aimerai pour toujours. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Trouve mes recherches, Rose. Sauve-les. Va au théâtre et trouve le deuxième carnet. Réunis, il renferme la clé de tout. Tu peux tout régler. Promets-le-moi, Rose. Oh là là. Promets-le. Ah,
pas comme ça. Remets-le-moi, Rose. Non, Ada. Non. Je te le promets. Je te le promets. Eh bé. Ah, putain. C'est tragique, je m'attendais pas. Notre sœur est morte. Je vois bien le truc arriver qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous envoyons la lettre en se faisant passer pour notre sœur. C'est sûr. C'est sûr. Chapitre 5, les ténèbres d'Hadès. Rose. Rose, vous êtes là ? Rose, répondez ! Allez, Rose ! Répondez-moi ! Rose ! Elle est en dépression, là. Laissez-moi, Aubrey. C'est maintenant ou jamais, Rose. Ils arrivent. Je suis à court de portes à fermer. Je m'en moque. Elle est partie, Aubrey. C'était trop tard. Elle est partie. Je sais, mais vous avez fait une promesse, Rose. Parole de scout et tout ça. Si vous ne partez pas de suite, ils vous auront aussi. Une promesse. Allez, levez-vous et partez. La porte de gauche, allez-y. Eh ben, et le scénario est vraiment bon, hein, aussi. Hein, le scénario. L'histoire, elle est bien faite, hein. Échappez-vous et tenez votre promesse. Ah ouais, non. Notre sœur nous... Non, on a fait une promesse à notre sœur. On va régler cette histoire. C'est bon. Continuez jusqu'au département de physique. Une fois que vous m'aurez sorti d'ici... Je ne vais pas à la salle des machines, Aubrey. Mais vous aviez dit... Vous avez promis... Je sais, Aubrey, je sais. Et je tiendrai ma promesse. Mais ma sœur m'a demandé de faire une dernière chose pour elle. C'est ce que je dois faire en premier. La famille d'abord. Je comprends. Où devez-vous aller ? Au théâtre. Comment je fais ? Essayez d'ouvrir la porte du département de physique pendant que je cherche comment vous mener au théâtre. Je reviens de suite. Le jeu a 10 chapitres, HK, c'est vrai ? Donc là, on est au 5. Donc on est quasi à la moitié du jeu, quoi. On est à la moitié du jeu, d'accord. Donc le jeu dure environ 4-5 heures, c'est ça ? Ouais. Ok. Bah écoute bien. Il reste encore 6 chapitres. Parfait. Moi, ça me va. Hein. C'est tellement bien fait, je suis à fond dedans. Hey, je vous le dis. Hein. Ça a été rédigé par Ada. Ah, c'est important du coup. Attends. J'évite de lire les textes, comme ça vous pouvez lire sans m'entendre lire. Je sais pas si c'est la bonne idée, mais il y a des streamers qui lisent les lettres. Moi, je préfère la lire dans ma tête et que vous la lisez de votre côté. Donc, elle était très... Ouais, elle était très enthousiaste. Hein. Il n'y a plus de traces du monstre. Pour l'instant. Bienvenue, Liad. Bon, je crois que j'ai une solution, Rose. Vous êtes là ? Oui. Oui, je suis là. Il y a un truc qui brûle maintenant. Ah oui. Ce doit être le noyau du réacteur. C'est l'épicentre, là où tout a commencé. Il se trouve que le feu qu'on a allumé ne s'est jamais éteint. Cela fait 10 jours qu'il consume l'hélios de l'intérieur. Ne respirez pas la fumée. C'est fortement déconseillé. Plus facile à dire qu'à faire. Vous avez trouvé comment m'amener au théâtre ? Oui, mais ça ne va pas vous plaire. Très bien. Dites-moi tout. Vous voyez d'où sortent la fumée et le feu ? Eh bien, on va vous faire passer en plein milieu de ça. Je déteste cet endroit. Après, c'est encore pire. Le noyau du réacteur est protégé par un bouclier, alors le récepteur ne fonctionnera plus quand vous serez en bas.
Vous allez devoir traverser les flammes toute seule. Oh. Je vais surveiller la propagation de l'énergie exotique derrière vous pour voir si je peux la contenir. On se reparle de l'autre côté. Ok. Un conseil de dernière minute ? Ne brûlez pas. Il est marrant, le Aubrey. Les points de chaîne. Alors, je sais pas encore. HK, je me suis pas encore trop renseigné sur la question. Mais en gros, je sais pas, je peux pas te répondre. Faut que je m'y intéresse. C'est une nouveauté Twitch. Alors, c'est quoi le code ? 112-23 ? C'est bon ? Ah ! J'aime quand un plan se déroule sans accroc. C'est un peu le bordel ici, hein. Je dois sauter ? Ah là, ok. En fait, plus tu restes sur le chat, plus t'as des points. Et avec les points, tu peux lancer des trucs. C'est ça. Trouver comment traverser les flammes de l'épicentre. Oh putain! Bah, pas par là. Ah, ah. J'allais faire une blague, mais... Alors, comment on va passer, là? Attendez, réfléchissons. Là, par là. Wouh! Maintenant! Ada? On l'entend ? Je sais, Ada, tu me l'as dit. Ah, je te le promets. Être à ses côtés pendant qu'il résout des équations en quelques secondes, alors que d'autres s'y cassaient les dents depuis des semaines. On pouvait presque entendre son esprit fonctionner, Benny. On pouvait l'entendre comme une force de la nature. Aubrey. Et je vais te dire... Aubrey. Attendez un peu. Aubrey. Rosie, vous revoici. Génial. J'étais justement en train de dire à Benny... Le théâtre, Aubrey. Comment j'y vais? Vous avez parlé d'un ascenseur? Bien sûr. Il est juste devant. Là. Je vous l'envoie de suite. Vas-y, envoie, envoie. Et puis, pourquoi vous devez aller là-bas? Je dois trouver un carnet. Rose... Je ne peux pas imaginer l'étendue de votre chagrin, et vous avez toute ma sympathie. Mais je vous ai déjà sauvé la vie quelques fois, alors je crois que je mérite de savoir de quoi il retourne. Vous avez raison, Aubrey. Je suis désolée. Je cherche un carnet que ma sœur a caché quelque part dans le théâtre. Il contient ses dernières recherches, et je lui ai promis d'en prendre soin. Tout le navire reconnaissait son génie. Y compris Nicolas. Et maintenant, elle a disparu. L'ascenseur est arrivé, Rose. C'est quand vous voulez. Il a une voix. Je sais pas à quoi m'attendre avec lui. Hein. Vraiment, je sais pas à quoi m'attendre avec lui.
Yo, salut Poutchinette. Tu vas bien? Bon, les crocs, il va être 23h. Ça a passé super vite. Si c'est un nouveau chapitre, on s'arrête là. Il est déjà 23h et... Incroyable. Chapitre 6. Ok. Le drame de Dionysone. On va s'arrêter là. On va pas entamer un nouveau chapitre tout de suite. On s'arrête là pour ce soir, les crocs. Chapitre 6. Le drame de Dionysos. On est arrivé là. Hein. On est arrivé au chapitre 6. Donc voilà. On peut y aller. Toshi, tu t'es déjà fait draguer par une abonnée? Non, jamais. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où ce carnet est caché? Le théâtre est assez grand, vous savez. Hélas, non. Il est aussi... J'ai l'impression que le son s'est remis... Ah non. Si grand que ça, vraiment? Ah. Oh. C'est juste le hall d'entrée. Attendez de voir l'auditorium. Je vous laisse chercher pendant que je règle des problèmes sur les appareils météorologiques. On se reparle plus tard, d'accord? Bien sûr. Il se peut que ça prenne un moment. Waouh! Alors, attendez, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire le fou. J'ai envie de mettre le jeu en très élevé. J'ai envie de le mettre à fond, tu vois. Ah ouais! Ah, c'est mieux, hein. Ça clignote plus quoi, c'est... Oh là là, ouais, c'est beaucoup mieux. Oh, j'aurais dû mettre le jeu en très élevé dès le début en fait. Ah merde. Levez les mains ceux qui ont lu Macbeth. Je connais pas. Je suis vraiment désolé. Les améliorations de la tour m'ont retenu plus longtemps que prévu. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Pas du tout, monsieur. Je ne suis pas encore bien habituée à évoluer sur l'Hélios. Il y a tant d'étages et de choses à voir. En effet. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, ma chère. Le grand théâtre de l'Hélios. Je vous en prie. Ah, oh, merci. Ah, donc Ada était avec Nikola Tesla. Ils étaient ensemble. On vient d'avoir une vision de... Bah, de eux. Putain, c'est joli, hein. Oh, regardez. Ça a de la gueule. Ça a de la Voici, gueule. Mademoiselle Archer, le grand théâtre de l'Hélios. Waouh. Je suis heureux que ça vous plaise. Cette année, nous allons accueillir des artistes formidables. Et si vous regardez attentivement, là-haut, c'est votre balcon privé, d'où vous pourrez tous les regarder. C'était moi qui utilisais ce balcon, mais j'insiste pour vous l'offrir comme cadeau de bienvenue et de remerciement pour vos recherches. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire. Et appelez-moi Nicolas, je vous en prie. Merci. Mais que vont dire les gens? Est-ce que ça ne va pas faire jaser? Que je m'installe sur votre balcon? Ce n'est pas le mien. Plus maintenant. Et il y aura toujours des ragots qui ne m'intéressent en rien. Venez, je vais vous montrer la vue. Avec plaisir. Mm-hmm. Yo, Stan. Un balcon privé. Est-ce que c'est là que tu aurais caché tes recherches, Ada? Alors, Ada, on nous cache des choses, là? Hein? Alors? Oula. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Ah, merde. Houston. Ok, c'est bon. Eh, y a un truc bizarre qui se passe, là. Depuis tout à l'heure, j'entends des booms. Et de là, il ne restait plus qu'à le construire. Mais assez parlé de moi. Qu'en est-il de vous, Ada? De votre famille? Bonsoir, Croker. Vous avez une sœur, si je me souviens bien. Mais... Oui, Rose. Rose Archer. C'est moi. Et si vous me trouvez têtue, attendez de la rencontrer.
Que fait-elle? Elle est journaliste. Ah oui? Est-elle douée? C'est la meilleure. Alors attends, est-ce que je peux passer ici? Ouais. On fait gaffe, on fait gaffe, on fait gaffe! Oh putain! Ah! Oh merde! Putain, pourtant j'étais bon là. Merde! Oh putain, il restait un mètre quoi, c'est con hein. On va essayer de faire gaffe. Bonsoir Justine. On vient de commencer hein, pour ceux qui arrivent, vous avez rien loupé. Une petite mort mais c'est tout quoi. Tout va bien. Cher Houston. Ah, nous y voici. J'espère que cela vous procurera beaucoup de joie pendant votre séjour à bord. C'est magnifique. Je ne sais comment vous remercier. Oubliez ça, ma chère. Et continuez à étudier vos théories. Ce sera un digne remerciement. Ouais. Mais qu'est-ce qui lui a fait le Tesla, là? Qu'est-ce qui lui a fait le Tesla? Ok, donc voilà le balcon. Je crois vraiment que vous touchez à quelque chose de révolutionnaire, Ada. Il ne manque que l'étincelle finale. J'espère que l'Hélios nous fournira les ressources nécessaires pour la trouver. Parce que, quand ce sera le cas, nous aurons changé le monde pour toujours. Au changement du monde. Au changement du monde. Elle s'est faite... avoir. Notre chère sœur. J'aimerais trop qu'elle revive. J'aimerais trop qu'on puisse la ramener à la vie, putain. J'ai hâte de voir la fin, comment ça se passe et tout, là. Avec le temps, justement. Allez. Ah. Sert à appeler l'ascenseur. Pendant que je traverse un autre département de recherche. Je te donne un indice, il a un rôle central. Ah. C'est tout? Tu vas me laisser trouver le reste toute seule? Amuse-toi bien. Un rôle central. Bon sang. Ada, je te suis, ma grande. Prenez l'ascenseur pour descendre sur la scène. Allez, go. On met la carte. Ah, c'est bon. Allez. Et bienvenue, Xenopanda 999. Bienvenue à toi. Je ne comprends toujours pas les visions d'Ada ou comment la radio a pu jouer notre ancienne conversation. C'est comme si elle était encore là, à ouvrir la voie pour moi. Mmh. Moi je vous le dis, ça va finir qu'elle va revivre. Ça va finir qu'on va retourner dans le passé ou quoi. Vous allez voir. Ce jeu n'a pas fini de nous surprendre, les crozes. Du sang. Ah, bah nous voilà en bas du coup du théâtre. Très bien, un rôle central. Comment je monte là-dessus? Ok. Fouille la zone de la scène pour trouver les recherches d'Ada. Est-ce que je passe ici? Non. Fait beau. Ouais, pour l'instant, on peut pas trop parler de la fin, c'est vrai, on n'a pas de... Bon, c'est pas vraiment ce qui va se passer, on est encore trop loin de la fin. Regardez, c'est beau, hein. Regardez, imaginez-vous sur un... Moi, j'ai jamais...
Si j'étais un projet de recherche super c'est secret, ici. C'est là. Où est-ce que je me cacherais? C'est là. Mais avant, regardez, regardez la vue là. Moi, j'ai jamais vu cette vue en vrai. Je suis jamais allé sur une scène. C'est impressionnant quand même, hein. Regarde. Imagine, t'es là avec les projecteurs là. Et t'as une foule devant toi qui te regarde. Oh! Ça doit être quelque chose, hein, à vivre. Très bien fait, hein, cet endroit, j'aime bien. C'est beau. Ouais, la pression doit être totalement folle, ouais. Non, 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 il est là, lui. Non. Oh, mais regarde-le pas, cours. Tu te souviens de moi, Rose? Oh. Tu te souviens de ce que tu as fait? Je t'ai vu au bal masqué, Rose. Tout est ta faute. Les phases de course poursuite lag, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, hein. Merde. Où il est passé? Je sais pas où je vais. Ah, eh. Mais qu'est-ce qui se passe? Ludwig, il s'éclate un peu trop avec les mannequins. Hein. Oh merde. Oh putain, il arrive. Oh là là, c'est en train de se transformer en horreur là. What? Putain, il me fait peur là-bas. Like him. Comme lui. Trop lo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 . Oh putain, ça fait peur. What? Mais c'est horrible. Attendez, je vais peut-être augmenter un peu le... Bonsoir. Oh là là. C'est quoi cet endroit là? C'est le repère de Ludwig. Ça va être le repère de Ludwig. Hein. Let's play. Ah ah. Tout est ta faute. Culé. Fais peur ces conneries. Oh merde. Pourquoi il y a une boule qui bouge là? Pourquoi? Mais il est là. Il est là. Attends, c'est lui là? Il fait trop peur. Eh, Ludwig, il fait trop peur en vrai. Je me casse. Je me casse. Ça fait peur là! C'est bien! Ce jeu manquait un peu de ça, tu vois. Faut pas qu'il arrive, hein. Putain, je dois aller où? Là. J'ai pas de lampe. Oh! J'ai pas de lampe. Je vois R. Quoi, je peux vraiment... Ah non, d'accord. Je dois aller là. Je suis en panique. Là. Pfff.
J'aime pas cette zone trop de chemin. Ça va, j'arrive à m'en opérer, bizarrement. Aussi bizarre que cela puisse. Je sais pas où je vais. Non, 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 mais non, mais non. Oh là, faut vraiment courir. Putain, il peut tellement nous rattraper. Faut tellement aller vite. J'essaie d'aller à la gauche là. C'est quoi cet endroit là? Résignez-vous. Notre souffrance collective se termine aujourd'hui. Ta gueule. Je parie sur 6 morts à la fin du live pour 500 bits. Eh, il crame. Eh. Oula. Je ferais bien d'y aller, moi. Bah, Ludwig, il est mort, du coup. Il a brûlé, c'est lui, non? Attendez, c'est lui qui a brûlé, hein. On est d'accord, hein. Bah, j'espère, en tout cas. Où diable étiez-vous? J'aurais vraiment eu besoin de vous il y a 5 minutes. Vous avez trouvé le carnet, n'est-ce pas? Je parie que oui. Hein? Oui, Aubrey. J'ai le carnet. Et puis je suis tombée sur Ludwig. Oh non! Vous allez bien? Je vais bien, Aubrey. Et heureusement, Ludwig a pris du feu plein la tête. Donc ça nous fait un problème en moins. Waouh! Les bonnes nouvelles s'enchaînent! Quoi d'autre? La mauvaise nouvelle? Il est bizarre. Toujours rien? Non, rien. Attendez! Maintenant, Aubrey! Maintenant! Oh! C'est le pont 66. Prochain point à l'ordre du jour, vous amenez à l'ascenseur. Formidable, Aubrey. Merci encore, pour tout. Je viens tenir ma promesse. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Oh, attendez, je m'occupe des portes. Aubrey, le psychopathe. Et il nous cache un truc. Oh, oh putain. Bordel de Dieu. Qui est-il? C'est... Oh, dégoûtant. Il y a le corps d'un homme crucifié dans l'ascenseur. Ah! Vous pourriez m'envoyer un autre ascenseur? Je préférerais éviter. C'est le seul ascenseur, Rose. Je déteste cet endroit. Je déteste tellement cet endroit. Inspirez. Expirez. Merci de faire ça, Rose. Ouais. Ah, je suis enchanté là. Je suis enchanté. Ah, on vient de finir le chapitre 6. En vrai, il est trop gentil. Il y a une couille dans le potage. Ah, il y a une couille dans le pâté là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un truc. Faut dire qu'il est un peu coincé dans la salle des machines depuis le début du jeu. Et avec le cadavre de son pote Benny, donc y a quoi devenir fou? Ouais. Est-ce que c'est vrai? On sait pas. Le conflit des risques. J'ai quelque chose à vous avouer. Ah?
Je vous ai dit que j'avais une famille. Mais bienvenue, Kuroko. Mais ce n'est pas le cas, c'était un mensonge. Je suis un menteur, Rose. Je suis désolé. C'est bon, Aubrey. Je suis heureux de l'entendre. Parce que je crains qu'il vous reste pas mal de travail avant d'arriver de mon côté de la salle des machines. Évidemment. Quelle surprise. Évidemment. Allez à la salle des machines locales. Vous allez devoir trouver un chemin vers l'autre côté. Merde! Les couplages de puissance de nuit! Bon, Rose, je dois régler ça. Je reviens dans une seconde. Ne vous... Ne vous quoi? Aubrey? Aubrey? Génial. C'est vraiment bien fait, hein. Le jeu d'acteur, il est bon. Regardez tous les corps qu'il y a encore, là. Oh. Aïe. Pop. Alors, il y a une échelle là, je peux pas la prendre? Non. Il y a un bras sur l'échelle, regardez. Moi, je pense qu'il est tout seul en train de nous surveiller et joue avec nous depuis le début. Bah, il a le contrôle sur beaucoup de choses en fait, hein. C'est ça qui est bizarre. Il nous ouvre toutes les portes. Par contre, je sais pas où on est, mais ça pue. Hein. Et j'ai même envie de dire, plus on se rapproche de lui, et plus il y a de cadavres. Ah. Très bien, ça. Ah ouais, c'est bon. You are here. J'ai l'impression qu'il y a des petites pannes là dans le rafio. Alors. Ça, c'est la deuxième fois que je le vois dans le jeu. Ça fait deux fois que je vois ce truc. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que si j'y vais, il se passe quoi? Wow. Alright. Oh, oups. C'est quoi ce signe vert à terre, là? Trop bizarre. Ah, je l'ai vu que deux fois, moi, Diablin. Je crois que je l'ai vu que deux fois. Le signe. Trois, deux, un. Maintenant. Ok. Rose ? Aubrey, vous pouvez faire quelque chose par rapport aux coupures de courant ? Je croyais que vous vous en chargiez. Eh bien, il y a un petit souci avec la grande bobine de distribution électromagnétique. On dirait qu'elle pulse. Ouais, ça ne me parle pas beaucoup, Aubrey. Soyez plus clair. Rose, nous récoltons de l'électricité sur le temps lui-même. C'est carrément compliqué, d'accord ? Essayez d'avancer et de ne pas mourir. Oh, super plan, Aubrey. Votre meilleur jusqu'ici. Tu entends ça, Benny ? Rose fait de l'esprit. Benny. C'est trop bien de voir ça aussi. Comment ça se passait avant le bordel ? Le bordel ! Oula. J'ai fait péter un truc. Bonsoir, Incognito. Et yo, Bexel.
Ah, moi, je vais pas dire mon âge, vous le connaissez déjà. Hein. On n'arrête pas de me dire que je suis plus jeune que mon âge. J'ai l'impression que je vais garder la même tronche jusqu'à mes 40 ans, tu sais. Comment je fais pour passer là? Hein? Faut que j'aille là. Non. Comment je fais là? Ouch! Toshi, moi je dis 23. Ah bah t'es loin, hein. J'ai pas du tout 23 ans. On me dit que je fais 23, mais j'ai pas 23. J'ai 28, HK. 28 ans. Dans un an et demi, j'ai 30 ans, mec. Ah, mais faut que j'aille là. Mais faut que j'aille là. Ah. Ok. Je sais pas ce que je fais, les co- je vous jure, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. J'active des boutons. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Vite! C'est bon. Ok, et là j'ai activé celui du haut. Donc faut que je retourne en haut. Eh, c'est un bordel, hein! Mais je comprends. C'est un bordel compréhensif. Le quart de siècle déjà atteint. Ah oui, je l'ai atteint depuis longtemps, le quart de siècle. Ok. Hop. Du coup, on vient ici. Là, il y a rien. On va descendre là. Hello, Taekwoni. Je suis là depuis le début du live. Eh ben, c'est malin, ça. Ça dit pas bonjour. Ok, faut que je passe là. Mais il y a de l'élec. On va pas se griller le cul non plus. On va faire gaffe. Un cul, c'est précieux, les crozons. Ah, mais il y a encore un... Oh là là. Eh, ça se complique, hein. Je vais mourir là. Ah non, bah non, je suis con, hop. Bah oui, fallait que j'attende le... Rose, vous êtes là? Ouais. Rose, ouais. Je suis toujours là, Aubrey. J'ai traversé la salle des machines. Et maintenant? Droit devant, c'est le contrôle de l'hydraulique et de la pression. La bobine de distribution fait surchauffer les cuves de stockage. Alors, vous allez devoir réduire la pression pour pouvoir ouvrir les portes de sécurité. Trouvez les vannes, Rose. En les ouvrant, vous devriez faire baisser la pression. Ok. Trouvez les vannes pour réduire la pression. Compris. Vous assurez, Rose. Vous y êtes presque. Ok. À tout de suite. Putain, on se tape tout le boulot, quoi. On se tape toute la merde. Salut, Bibouche, et salut, Gwen. Vous allez bien? PS4 flemme. Ah, ok. Mérité, Benny. Bien mérité. Aubrey ? Des années de... Aubrey ? Alors, faut que je fasse baisser la pression, hein, c'est ça ? Donc là, on l'a fait baisser un peu, donc c'est très bien. On va aller ici, hop. Là, je sens le monstre. Regarde.
c'est pareil. Ça pue la bête. Là, ici. Ok, on est toujours dans le rouge. Il doit y avoir une troisième valve pas loin. Ici. Ah non, là. Allez. Ah ok, je la réaugmente. Ok. Dégoûté, j'ai raté une heure de live. T'as raté 36 minutes exactement. On a commencé le jeu à 21h16. Ah, il manque une valve. Aubrey ? Le héros du jour. Aubrey, votre radio. Aubrey ? Vous avez entendu ? Aubrey a dit Nicolas va. C'est un peu suspect ça, Aubrey. Alors regardez ici, il manque une valve. À mon avis, il faut trouver la valve qu'il y a là. Ouais, il nous manque une valve. La base. La base après les 92. Donc là je peux pas y toucher, ok. Faut que je trouve la valve. Là. Là, là, là. Ok. Ok. Où sont les valves ? La nouvelle expression des jeunes, c'est quoi ? Ah là ! Ah putain, on l'a ! Loul ! Elle était juste là en fait. J'ai cherché partout, elle était juste tombée en dessous. Putain, mais Toshi, ouvre les yeux quoi. Allez, go. C'est bon. C'est pas encore bon, putain. Bon les gars, c'est bon là. Ah là, il m'en manque une encore. Ah, il manque plus que celle-là. Il en manque plus qu'une, faut qu'on trouve la valve. Ah là, attends, là je l'ai faite ça. Celle-là je l'ai faite. Ouais, je l'ai faite. Me dis pas qu'on va être bloqué, hein. Je veux trouver cette valve avant 22h. Sinon, c'est un fiasco. C'est vrai, t'es écho ? Bah après, ouais. Moi, j'avais fait le début de ce jeu il y a très longtemps. Mais j'étais pas arrivé à cet endroit, hein. Bon, elle est où cette valve ? Ouais.
Essaye de reprendre la valve que t'as mise, mais je sais même plus où je l'ai mise. Je sais même plus où c'était. C'est un peu grand ici. Non, c'est pas une valve. Oh, je me perds. Attends. Non. Personne me traite de 2000, arrêtons avec les duels d'années, ça va mal finir. Mais les crosses, je trouve pas la valve. Sérieux? C'est quoi ce bordel? Elle est où cette putain de valve? D'ailleurs, en fait, j'ai aussi perdu le... Ah, mais... Mais elle est là! Mais elle est là! Mais comment j'ai pas pu la voir? Mais je suis passé ici 50 fois, quoi. Mais je suis passé ici 50 fois, elle était là! Ah, putain! Bon, là, les crosses. Nickel. Maintenant, faut qu'on retrouve le machin qui avait pas de valve. Putain, je l'avais pas vu, eh. Mais MDR! Je suis bigleux ou quoi? Mais attendez, maintenant faut que je retrouve la machine qui lui manquait une valve. Je sais plus où elle est. Ah, j'ai eu de la chance, hein. Ah, elle est là, c'est bon. Eh ben. Vous avez réussi, Rose. Mes capteurs sont tous au vert ici. Les portes de sécurité devraient être ouvertes. Un dernier obstacle à franchir et nous pourrons ficher le camp de ce bateau. Très bien. Un dernier obstacle. Qu'est-ce qui m'attend? Alors, vous vous souvenez de cette bobine de distribution électromagnétique géante qui ne fonctionnait pas bien? C'est... Vous savez quoi? Certaines choses doivent être vues. Venez! Venez? Genre, venez quoi, c'est une invitation. Aubrey, tu m'invites là. C'est un rencard. T'es sérieux? Et je dois aller où du coup? Réduisez la pression, hein, en tournant les valves, c'est fait, ouais, ok. Meilleur rencard au monde, on va se marrer. Je crois qu'on va bien rigoler. Ou on va bien flipper. Un des deux. Salut Goldax, ça va et toi? En vrai le mec me dit... Ah là là là, c'est ici. Ok. Allons au rencard. Waouh. Là c'est stylé. Waouh waouh waouh. C'est pas dégueu, hein. Audrey? Chérie? Aubrey? T'es où, chérie? Si ça, c'est pas Aubrey, je le sens tellement mal. Je sens le mec en chaise roulante, un vieux, tu sais. Un vieux en chaise roulante. Je le sens mal. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bah comme vous, hein.
Aubrey ! Bobine de distribution électromagnétique géante. Bof, je préfère l'appeler Fred. Waouh ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri ici. Tant que vous ne vous exposez pas directement à l'onde de choc, ça devrait aller. Ah, c'est bon à savoir. Vous devriez pouvoir me voir. Hein ? Je suis dans le grand bâtiment à votre droite. Est-ce que vous me voyez derrière la fenêtre, Rose ? Ouais. Bon, c'est pas un handicapé du coup. Vous voyez ce bâtiment en feu un peu plus loin ? C'est là que vous allez trouver la commande de désactivation d'urgence. Là-bas, là ? Attendez. Tout là-bas, à l'autre bout ? Ouais. Vous voulez que je sprinte jusque là-bas pendant que l'électro-machin-truc fait frire tout cet endroit ? Ouais. Oh. D'ailleurs, je me disais à ce sujet, si ça vous va, je vais ouvrir la porte à gauche et aller me cacher dans un coin pendant un moment, ok ? Bien sûr. J'ai pas vraiment envie que vous me criez dans l'oreille, de toute façon. Ça marche, Goldax. Salut, Foxter. Bon, faut que j'aille où y a les flammes, là-bas. Mais ça fait une trotte, hein. Parce que si ce truc, là-bas, se recharge, et qu'il fait BOUM, bah, je grille. Y a plus rien. Bon. Au moins, il est honnête, ouais. Il est parti en reculant, j'ai pas fait gaffe. J'ai peur, hein. Wouah. Ah ! Ok, maintenant. Oh putain, ça va être chaud, eh. Non. Je vais me cacher là. Oh, ça passe, ok. Go. Oh, c'est trop bien. Allez! Oh, la musique épique! Ah! Faut que j'aille où? Je suis perdu! Faut que je remonte. Ok. Allez, go! Non. Ah. Merde. Oh putain. Une mort de plus. Ok, attendez. C'est bon. Ok, le feu est là. Go. Let's go! Ah! Je suis nul. Mais putain, je peux plus jouer. Laissez-moi jouer, les gars. Ah ben. Ils nous mettent devant le levier. Oh putain, je suis mort. Merde. Oh putain, je suis mort. On est tellement nuls qu'ils nous mettent devant le levier, quoi. Ah putain, c'est pas vrai. Mais
lâcher, là? Bon, attendez. Je vais me concentrer, là, parce que, putain... Bon, levier activé. Là, je descends. Bra. Ok, là, je fais... Ra, 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 ra. Par là, par là, par là. Ok. Je me cache ici. Là, il peut pas m'avoir. Ah, voilà, là, c'est bon, là, c'est bon, là. Go. Eh ben, quelle aventure! C'est terminé? Comment je pourrais le savoir? J'ai tiré ce foutu levier, ça a marché? Juste un moment. Je crois que vous avez réussi, Rose. Oh, Dieu merci. Je n'arrive pas à y croire, vous avez réussi! Wouhou! Je vais vivre! Vous êtes impayable, Bray. Et si on fichait le camp de ce maudit Rafio? Plutôt deux fois qu'une. Prenez les passerelles en métal sur votre gauche. Elles devraient vous mener jusqu'ici au centre de contrôle. Je sais que je vous ai déjà dit merci. Mais ça va être bien de pouvoir enfin le faire en personne. J'arrive, Aubrey. À tout de suite. Il est sans peau, le Aubrey. Il est sans peau. Je sais pas où je dois aller en vrai. Je dois retourner vers lui. Ouais, ça pue un peu. Hein. Ça pue fort. Hein. Je parie qu'il se perd. Qui ça, moi? Bah non, regarde. Regarde, hop. Salut, beau gosse. Bon, Aubrey. J'espère qu'Aubrey est au courant d'une autre sortie. Je n'ai pas vraiment envie de repasser par là. Le doubleur d'Aubrey est celui du professeur Layton. Ah ouais? On en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Hein. Il est où? J'ai peur. En vrai, j'ai peur de rentrer. Enfin, j'ai peur de le voir. Je sais pas. Je Aubrey sens... C'est un danger, ce mec. Je le sens. Je sais pas. J'ai pas confiance en lui, moi. J'ai pas confiance en lui. Hein. Où êtes-vous, Aubrey? Allons-y. Ça pue. Vous êtes prêts, les Crozes? Vous êtes prêts? Allez, quoi, Aubrey? Partons d'ici! Aïe. Aubrey? C'était le mec. Béni. Ah, c'est Béni. C'est Béni. Il avait. Ah putain, il avait dit vrai sur Béni. Béni est bien là. Ok, sauf que cet enculé, il s'est barré sans nous. Regardez, il nous attend même pas, il se casse quoi. What? Un plan de la salle d'opération où Ada était piégé. Oh! Salut, Rosie! Ouais, c'était sûr en fait. C'était évident. J'ai essayé de vous prévenir. J'ai vraiment essayé. Je suis un menteur, Rose. Aïe. J'ai tout entendu. Chaque mot depuis que vous êtes à bord. De votre première conversation avec Ada, au dernier mot qu'elle a prononcé. J'ai même écouté votre conversation avec Nicolas. Aubrey,
Ce n'était pas le confinement de Tesla qui brouillait les communications avec votre sœur. Un autre mensonge. C'était moi. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a tout pris ! J'avais tout ! J'avais son attention ! J'avais son respect ! Mais elle a tout pris ! J'étais quelqu'un à bord de ce bateau. Mais maintenant, l'heure est venue de reprendre, à commencer par ces carnets. Si vous faites ça, je vous tuerai. C'est une promesse, Rosie ? Parole de scout. Que c'est mignon. Vous oubliez que, comme j'ai guidé l'énergie exotique jusqu'à votre sœur, je peux la guider jusqu'à vous. Ici même, vous devriez vous hâter. Ces choses seront là d'une minute à l'autre. Benny vous tiendra compagnie pendant que vous mourrez. Quant à moi, je vais les utiliser pour sauver la mise et reprendre ce qui m'appartenait. Inspirez. Oh, le bâtard! Ah, c'est la merde, là. Putain, c'est la merde. Je regarde pas derrière moi, laisse tomber. Grouille-toi, putain, grouille-toi. Oh putain. Là. Je suis à fond. Je peux pas aller plus vite. Fermez les yeux, Rose. Fermez les yeux. Tesla est venu nous sauver. Putain, Tesla le sauveur. C'est ça pas vrai. Aller. Ils sont partis. Ça va aller. Mais non ! Tesla le sauveur ? Ah, mais en fait tout ce oh là là. Tout s'inverse. Tesla en fait, c'est le gentil. Eh bé. Chapitre 8, les fleurs de Perséphone. Alright. Adam avait averti de la ténacité de sa sœur. Comme toujours, j'aurais dû écouter. Je ne prévoyais pas que vous pourriez traverser la moitié de l'Hélios en dépit de mes efforts pour vous en empêcher. Et à cause de cet échec, de mon échec, nous avons perdu Ada. Aubrey a ouvert des portes qui ont permis à la contamination de s'étendre. Il est en route pour la tour, d'où il va essayer d'utiliser les recherches de votre sœur pour refermer la faille. Mais je crains qu'il ne saisisse pas toute l'immensité du travail de Ada, et qu'il n'aggrave encore une situation déjà mauvaise. Je suis donc en route pour essayer de réparer ça, et au passage remettre la main sur les recherches de Ada. Je vous dirais volontiers de rester où vous êtes, plus ou moins en sécurité, et de vous reposer, mais je suis presque sûr que vous n'en ferez rien. C'est clair. Nous n'avons pas pu sauver Ada. Mais il n'est pas trop tard pour sauver son héritage. Je vous recontacterai. Mais quel jeu ! Quel jeu ! Moi, je suis conquis, hein. Je vous le dis, hein. Que ce soit graphiquement, le scénario,
le gameplay, tout est bon. Les énigmes. Il y a des petits moments flippants et tout. Non, putain, mais j'ai rien à redire sur ce jeu. J'ai rien à redire, les Crows. Et c'est très 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 rare. J'ai promis à Ada que je récupérerais ses recherches, et je l'ai fait. J'ai promis à Aubrey que je le libérerais, et je l'ai fait. Qu'est-ce que j'y ai gagné de mon côté ? Une côte brisée et une commotion. J'ai promis à Aubrey que je le tuerais. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est génial ! J'aime bien sa façon d'être. Elle est vraiment déterminée, tu vois. J'aime trop sa personnalité. Oh non. C'est le bloc opératoire. Ah oui. Quoi ? Ah, c'est là où sa sœur est morte. Elle est plus là. Regardez. Là. C'est moi là en haut. Vous vous souvenez de ça ? Promets-le-moi, Rose. Promets-le. Pas comme ça. Bra. Voilà. Là, notre sœur meurt et boum. Ah, c'était ici, d'accord. Regardez tout le sang de notre sœur là. Elle a explosé quoi. Bon, par contre, le corps n'est plus là. Elle a fait la réflexion. Le corps n'est plus là. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. Salut Dragmar, tu vas bien ? Ah Dragmar, on est sur un jeu exceptionnel là. Est-ce que c'est moi ? Genre, il y a une silhouette de nous ? Quoi ce délire ? Attendez, c'est nous ? Oui. C'est moi, en train de transporter Ada. Comment est-ce possible ? Bon, on l'a pas fait ça. On l'a pas transporté Ada. Oh là 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 là. Comment ai-je pu me retrouver dans le passé ? What ? What ? Je savais juste que mes recherches pouvaient changer le monde. Et c'est ce que nous avons fait. Mais pas vraiment comme je l'imaginais. Pas encore. Waouh, c'est tellement beau ! Ce jeu m'étonne, hein. Ce jeu est stupéfiant. Je veux maintenant tout expliquer pour que tu vois qu'il n'y a rien à faire. Tu as toujours essayé de me protéger, ta grande sœur. Mais les choses devaient se passer ainsi. Ah, on a vu. Vous avez vu, on a vu Aubrey poignarder. Bobby, c'est ça, je sais plus, dans l'œil. Donc c'est bien lui qui l'a tué. Hein. Cet enfoiré d'Aubrey. Ouais, c'est ça. Sur les murs, il y avait écrit « Le temps n'est pas une rivière ». Oh. Ça va marcher, Ada. Je le promets. Elle est là. Oh, elle est là. Tu as raison, Ada. Tout ceci n'a aucun sens. Que signifient ces flashs ? Est-ce le passé, le présent ou le futur ? Et à quel moment est-ce que je l'ai transporté ? Tant de questions. Malgré tout, je vais tenir ma promesse. Je vais récupérer tes recherches, en espérant qu'elles contiennent des réponses. Béni, ouais. Ah, mais c'est ouf, parce que nous, en tant que joueurs, on n'a pas fait ça. Rose, comment vont vos blessures ? J'ai bien peur d'être un piètre médecin, mais j'ai fait mon possible. Je vais bien. Si c'est là une tentative un peu lâche de m'empêcher de récupérer les recherches d'Ada, revoyez votre copie. Au contraire, je compte bien sur votre aide. Tout comme Ada. Comment ça ? Tout comme Ada. Ada n'est plus là. C'est beau. Ada est morte. Oh, regardez les couleurs là. Disparu. Ses recherches sur les dimensions temporelles multiples et l'exposition à la faille ont changé les choses. De façon irréversible, elle a déclenché une série d'événements que je suis moi-même encore en train d'essayer de comprendre. Mais ses recherches renferment la clé de tout ça. C'est ce qu'elle a dit. Je veux juste que vous m'aidiez à retrouver les carnets. Et je le ferai. Nous allons nous coordonner sur la façon de gérer Aubrey une fois que vous aurez atteint la tour. Tesla terminé.
Mon cerveau fume. Le mien aussi. Faut que je rejoigne Tesla dans la tour. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ici? Exploiter l'électricité de ces usines? Parcourir le labo pour atteindre la station du monorail. Stopper la quarantaine. Enfin quelqu'un de sensé. On est dans un labo. Je me demande s'il n'y aura pas un Close to the Sun 2. Bah le jeu est sorti il y a 3 ans je crois. Ça m'étonne qu'on n'en ait pas plus entendu parler de ce jeu. Je sais pas, il mérite hein. Faudrait pas qu'il mérite de... Bah d'être connu quoi, enfin... Je sais pas. Ah, il est sorti en 2019. Ouais. Il se passe quoi là? Ah d'accord, faut que j'aille là-bas. Ah mais j'ai pas eu le temps, attends, je vais recommencer. À mon avis, attends. Ouais voilà, ok. Va falloir courir. Le générateur ne reste allumé que pour une petite durée. J'aime trop les environnements où la nature reprend le dessus, c'est trop beau. Ouais, j'adore, regarde. Oh là là. Il se passe trop de choses dans le scénar là. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Bon, allez, vous êtes prêts, on va courir. Go. Ok. Oula, il y a de la fumée bleue. Il y a de la fumée bleue, je le sens pas. Fumée bleue égale monstre. Hein. D'accord. Voyons voir si je peux trouver la station du monorail pour atteindre la tour. La station du monorail. Ah merci mec. Ah t'es gentil toi. Je pensais vraiment que le jeu était sorti il y a 2-3 ans, moi. C'est étonnant. Pour moi, Close to the Sun, je l'ai vraiment fait il y a 2 ans, quoi. Je dois aller où, là? Attendez. Il n'y a rien à faire ici. Il y a un levier là, mais je peux pas utiliser. On va remonter. Ah là, ok. Comme tout à l'heure, ok. 3, 2, 1, go. Oh merde. Oh merde. Oh, aïe aïe aïe. Mais comment je faisais là? Attends. Bah mais attends, comment je fais là? Attends, j'active le truc là, tac. Tac. Comment je fais? Je peux pas me cacher. Attends. La merde.
Ouais, mais attends, si je peux pas me cacher, je vais me refaire avoir. Hein. Bah, ça me paraît logique. Hein. Attends. Houston, on a un problème. Faut être plus rapide, Toshi. Mais faut que j'active le levier. Faut que j'active le levier. Je dois activer le levier. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais... Ah, c'était ça. Ah, c'était ça. Ah, putain. Ah ouais, fallait que j'aille vite. Fallait que je sois rapide, ouais. Ah ouais, putain, bien vu. Ah ouais, j'ai manqué de rapidité, ouais. Ok. Bon, bah, parfait. J'ai manqué de rapidité sur ce coup-là, ouais. Merci, les crosses. Putain, c'était tendu, hein. Ça s'est joué au millième de seconde, vraiment. Parfait, j'y suis presque. Je devrais bientôt arriver à la station. Pst, 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 pst. Ça vous plaît ce live, les crozes? Vous passez un bon moment sur ce jeu ou pas? Vous me dites, hein. J'aimerais bien avoir vos petits retours. Regardez, putain, on dirait que certains s'en sont sortis. Tant mieux pour vous, gens du passé. Et... Ah ! Regardez. C'est pour nous, ça. C'est pour nous, ça. Eh ! C'est pour nous. Oui, oui, beaucoup. Très bon moment. Yes, top. Personnellement, j'adore. Comme si un de tes lives pourrait être nul. Oh, c'est gentil. La preuve, je vais dormir pour le boulot demain, mais je suis toujours là. Ah, bah, je suis content que ça vous plaît, les crozes. Que ça vous plaise. Que ça vous plaît ou que ça vous plaise? Que ça vous plaise, hein. Que ça vous plaise. Et bah, voilà. Chapitre 8 terminé. J'ai vraiment envie que ce jeu se finisse bien. J'ai envie que ce jeu se termine d'une bonne façon. Dormir, c'est pour les faibles. Franchement, je me crois en pleine aventure SF, je surkiffe. Bon, bah, c'est bien, je suis content. Moi, j'ai une job demain aussi, mais au Canada, il est 16h. Ah oui, au Canada, il fait... Ouais, vous êtes en pleine journée, là. C'est quand même fou, ça, que dans le monde, hein, on est tous sur la même planète, tu vois. Mais t'as des gens, en ce moment, où il fait jour. Moi, ça me rend ouf. Enfin, c'est logique, hein, après. Avec le soleil, machin, mais ça me rend totalement ouf. À chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Toi, t'es là, il fait nuit, t'es fatigué, et t'en as d'autres, ils commencent leur journée, quoi. Salut, Ego! Tu vas bien, Ego? Chapitre 9, la voix d'Arès. On s'approche de la fin, hein. Il nous reste deux chapitres. Est-ce qu'on va les finir ce soir? Je pense que oui. Hein. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Hein. J'ai même pas vu la notif du stream, c'est vrai, Ego? Je l'ai annoncé sur Twitter et sur Instagram. Hein. C'est les deux réseaux, si tu veux vraiment être au courant. Rose, vous êtes Twitter, arrivée. Insta. Ouais, je me dirige vers la tour maintenant.
Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Aubrey concentre toute l'énergie de l'Hélios dans une tentative désespérée de refermer la faille. Il ne fait qu'empirer les choses. L'énergie exotique fuit de tous les côtés. Nous devons monter là-haut avant qu'il ne soit trop tard. Prenez l'entrée principale vers la tour et continuez jusqu'à un grand ascenseur de service. Utilisez-le pour atteindre le sommet de la tour et arrêtez Aubrey. J'imagine que c'est un plan qui en vaut un autre. Et ensuite ? Ensuite, vous gardez Aubrey à l'œil pendant que j'utilise les recherches de votre sœur pour fermer la faille correctement. Mais nous n'avons que peu de... Ça doit être la tour Tesla. Oh là là, oh là là. On est enfin arrivé sur le pont du bateau. Donc là, on est en extérieur, les crosses. Regardez comme c'est beau, putain! En live, enfin en stream, ça se voit peut-être... La qualité est forcément compressée, tu vois. Mais là, ce que je vois devant mes yeux... Je vous jure que ça envoie. Hein. Je vous jure, les reflets au sol, regardez. Les reflets au sol et tout, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Ouais. Très beau boulot. Oh. Le bouche à bouche n'a pas suffi. Malheureusement. C'est donc ça, Cyberpunk 2077. Putain, on n'en est pas loin. Hein. Ah, merde. Sas de décompression, c'est ça? Sas de... Ah ouais, c'est ça. Regardez, il y a de la fumée bleue qui traîne. Hein. À mon avis, on n'est pas seul. À mon avis, on n'est pas seul. Kik. Tu vas là? C'est vous, Nicolas? Qui que vous soyez, fichez le camp. Ah, c'est Aubrey. Je suis très occupé. C'est Aubrey. Aubrey! Alors, il vous faut un coup de main pour les équations? Rose? Vous êtes toujours vivante? Eh bien, vous êtes beaucoup plus difficile à tuer que votre sœur, vous savez. Oh, le bâtard. Vous n'avez même pas le dixième du talent scientifique qu'avait Ada. Enculé. Oh, ne vous inquiétez pas, Rosie. Je n'ai pas besoin d'être son égal pour reprendre la place qu'elle m'a volée. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu plus de temps et un peu moins d'interruptions de votre part. On va lui niquer sa mère, les Croses. On va lui niquer sa mère. D'ailleurs, Ego, comment il est Ghost of Tsushima? Et moi, je commence vraiment à être mal. Je sais pas pour vous. Je pense que je suis pas le seul dans cette situation. Il y a énormément d'exclus PS4 que je n'ai pas fait parce que je n'ai plus de PS4. J'ai pas fait Ghost of Tsushima, du coup. Final Fantasy 7, Days Gone, The Last of Us 2 et un autre. Enfin bref, il y a plein d'exclus PS4 que je n'ai pas fait vu que j'ai pas la PS4. Et du coup là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que vous feriez, les Croses? Est-ce que vous seriez à ma place? Vous achèteriez une PS4 maintenant pour faire tous les jeux que j'ai pas pu faire, ceux que je vous ai cités, ou j'attends la PS5? Et je me prends une PS5, sachant que les jeux vont être compatibles PS5. Je sais pas, parce que là je suis en manque de jeux. Et là, Ghost of Tsushima, Days Gone et tout, ça me tente, mais ça me tente. The Last of Us 2, pareil, j'ai quand même envie d'y jouer, tu vois. Et tous ces jeux-là me tentent. Et je peux pas. Je me dis, est-ce que j'attends la PS5 ou est-ce que je me prends une PS4 maintenant et je l'ai fait, tu vois. Je sais pas quoi faire. Franchement, oui, j'en ai pris une, on perd pour 250 balles en neuf. Franchement, j'attendrai la PS5. Le plus intelligent, c'est de prendre la PS5. Attends la 5. Ouais. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais putain, c'est long, quoi. Je vous jure, j'ai trop envie de jouer à ces jeux-là, moi. Putain, Ghost of Tsushima, là, il me tente de ouf, hein. J'ai vu un stream dessus hier. Ça a l'air bien, hein.
Mais du coup, quand je vais avoir la PS5, bon déjà il faut le budget. Il faut le budget hein, parce qu'à mon avis elle va coûter cher os. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que je vais vraiment avoir plein de jeux à faire quoi. Je vais avoir toutes les exclus PS4. Bah je vais pouvoir les faire sur PS5 et ça c'est bien. J'ai hâte d'être à ce moment-là vraiment, tu vois, où j'ai la PS5 sur près de ma télé avec toutes mes exclus que j'ai manqué. Voilà, ça va être un kiff hein. Putain, je vais me régaler hein. Je vais me régaler. Je crois que je vais commencer par Days Gone. Days Gone, il m'a toujours fait kiffer. J'ai dit stop. J'arrive, Aubrey. J'arrive. On est à quelques mois, ce serait bête. J'ai hésité aussi. Ouais, je suis pas le seul. Dragmar, t'es dans mon cas aussi. Ouais. Je vais attendre. Yes, 500 balles la console et 70 le jeu, ça quel plaisir. Je pense que ça va plus être 600 moi, la console. Je pense que ça va être 599 moi. C'est vrai Gabi? T'es une flippette? Ici, mais pas plus loin. Aubrey, j'arrive. Oh merde. Oh oh. Oh oh. 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 Il est pas content hein. Assez joué. Écoutez Rose, j'admire votre détermination vraiment. Mais là, je dois me concentrer sur mon objectif. Aubrey, il sait ce que vous avez fait. Tesla est au courant. Bien essayé. Je ferme la faille et je sauve l'Hélios. Nicolas ne saura que ce que je lui dirai. Vous ne vous en sortirez pas par le mensonge. Il est en chemin, Aubrey. Il sait. Oh, s'il vous plaît. Est-ce là tout ce qu'il vous reste, Rosie? C'est pathétique. Je vais me débarrasser de vous comme je me suis débarrassé de Benny. Allez hop. Gardez vos pauvres menaces et... Oh, monsieur, je suis si heureux de vous voir. Je crois qu'il y a un problème avec... Nicolas? Monsieur? Nicolas est en train de le démolir. Si vous aviez la gentillesse de prendre l'ascenseur jusqu'en haut de la tour, je vais avoir besoin de vous sous peu. Yes, 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 tout se passe bien. Tout se passe bien. Nicolas l'a maîtrisé. Quand t'es descendu de l'échelle, t'avais un monstre devant toi. Regarde le clip de Diable. Ah ouais? Attends, Diable a fait un clip, il y avait un monstre devant moi. Je l'ai sûrement vu, c'est pas possible. Fais voir un peu. Ah ouais? Ah, ah ouais, je l'ai pas vu, je regardais le chat. Regardez. Là. Il y a un monstre juste là qui me regardait, tu sais. Ok. Bien vu. Bien vu. Chapitre 10, la chute d'Icar. Ça y est, on y est, les crozes. Dernier chapitre. The Last. Aubrey, nous avons encore des comptes à régler. Aidez Tesla à reprendre le contrôle sur la faille de la tour. La vengeance devra attendre. Mais il est là. Il faut que vous répariez les circuits électriques. Ah non, c'est Tesla. C'est Tesla. Sur votre gauche. Vite. Ok, sur ma gauche, là. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Vous devez réinitialiser l'oscillation magnétique. Tant pis. Faites passer toutes les lumières au rouge avant d'actionner la commande d'alimentation auxiliaire. Faites passer toutes les commandes en rouge. In red. Les lumières rouges, c'est fait. Ok. Où se trouve la commande d'alimentation? Ici. Rose, j'ai besoin de vous en bas, maintenant. Les escaliers à droite, allez-y. Les escaliers à droite, let's go. Je travaille pour Tesla, c'est quand même épique, hein, ce qui se passe. Mon collègue, c'est Tesla, les gars. On en parle ou pas?
Le cycle. Ah non, pas lui. Ne se répétera pas. Oh, le revoilà, lui. Ludwig. Non, Tesla. Bouge ou meurs. Essaye. Il est temps. Temps de briser le cercle. Les bavardages m'ennuient. Finissons-en. Non, 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 non. Tirez le levier, Rose. Oh, okay. Tirez-le maintenant. Ok, ok, ok. La main vide. Vous devez partir. Vous devez partir maintenant. Prenez la... Où sont les carnets? Je ne pars pas sans eux. Sur la table. Quelle table? Quelle table? Mais quelle table? Bon, tant pis, on y va. On se casse. Je peux même pas partir, putain. Là. Ok, go. C'est bon, on les a. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Allez! Allez, Rose! Vous devez partir! Et vous, alors? Ça va aller! Vous, partez! Ah, faut pas me le dire deux fois, hein. Faut pas me le dire deux fois. Bah, Tesla, ça sent le sacrifice, hein. Ça sent le sacrifice, hein. Aïe. Waouh, j'avais pas vu. Regardez. Rose, vous allez bien? Debout, Rose, vous devez courir. La tour est sur le point de tomber, vous devez bouger. Et vous alors? Vous êtes encore là-haut? Ne vous inquiétez pas pour moi. Continuez, Rose, allez-y. Continuez à courir. Oh, aïe, 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 aïe. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Des monstres qui m'entourent. Ok, par là. Le saut. Non, pas de saut, c'est bon. Gauche. Coucou, ça va? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, il est mort. Je vais voir un peu à quoi il ressemble. Ça ressemblait à ça, les causes, les monstres. Bien fait, hein. Ah, c'est bien fait. Regardez, on voit les veines et tout, ouais. Il y a un beau travail, hein, sur les monstres. Ah ouais. Quelle aventure. Mademoiselle Archer, avez-vous réussi? Comment êtes-vous encore en vie? La tour s'est écroulée. Les explications attendront. Il y a trop de variables. Les recherches que vous avez là, elles peuvent tout changer. Vous êtes devant mes quartiers privés. Il y a une capsule d'évacuation d'urgence qui vous attend un peu plus loin. Faites tourner le globe pour accéder à l'ascenseur caché. Il vous fera descendre jusqu'à mon sous-marin d'évacuation. Allez-y! Faites tourner le globe. Bon. Totalement épicness. Tourner le globe, prendre l'ascenseur caché. Je parie que ce n'est jamais aussi simple.
Et voilà. Je l'avais dit. Jamais aussi simple. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça pue. Ça pue, ça pue. Merde! Non! Tout chiant, on l'avait déjà fait en plus ça. Ouais, mais c'est là, c'est plus rapide, j'ai l'impression. Je vais passer par là, tu sais quoi? Hop. Un, deux, trois, quatre. Oh, HK, merci. Merci pour les 500 bits. Chose promise, chose due, les ciments ont été dépassés. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, HK. C'est la merde, là. Ok. 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 Ah ok, je l'ai, j'ai compris. Ok, donc c'est 1. Ok. Le 2 il est là. Le 3 je sais plus, attendez. Un, deux, trois, quatre. Ok. Trois. Et quatre. C'est bon. C'est bon. Allez! Allez! Nickel, ça c'est des bonnes énigmes, ça. Ça c'est un bon jeu, ça. Ok. Là-bas je peux pas passer. Je sais pas où il est le globe. Bah, je me pose la même question. Je ne sais point. Ah, il est là. Il est là, ce putain de globe. C'est celui-ci. Ça y est. Ça y est. Ma chère sœur, je suis partie soudainement et sans t'avertir. Pour cette raison et pour d'autres à venir, je te présente mes excuses. Tu savais que tout ça allait avoir lieu. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà mon ticket de sortie. C'est parti. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Comment je démarre ce truc? Là. Oh là là. Font les ballons. Oh putain, on nous a éjecté. Trop bien. Trop stylé. Salut.
Est-ce que ça va finir comme ça? Non, non, non. Attention. 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 Mademoiselle Archer! Mademoiselle Archer! Est-ce que les recherches sont en sécurité? Comment avez-vous? Peu importe. Oui, elles sont là. Pourquoi? Les recherches. Je comprends maintenant. Elle renferme la clé de tout. Nous pouvons la ramener. Nous pouvons ramener Ada. Faut qu'il y ait une suite. Faut qu'il y ait une suite. Oh, faut qu'il y ait une suite. Je coupe pour la musique libre de droit, tout ça. Bon, et ben nous voilà à la fin de cette aventure totalement ouf. Ok, bah ça finit bien. Ah, on a un peu un petit goût de d'inachevé. Tu sais, de... j'aurais voulu... vraiment savoir ce que c'était les recherches, les fameuses recherches. On sait que ça peut ramener à la vie un mort, ok. Tesla toujours en vie. Nous, on est sains et saufs. Il faut une suite. Putain, attends, faut que j'a... Attendez, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je vais regarder sur le net. Hein, quoi? Le jeu a été noté que 14 sur 20? Mais moi, un jeu comme ça, je le note 20. Hein. Bon, allez, 19, parce que la perfection n'existe pas, mais... Moi, ce jeu-là, je le note 19. Hein. Le doublage en français et tout, enfin, c'est incroyable. Ils l'ont noté 14. Et ils mettent des 19 à des Call of Duty, tu vois. Ok. Et c'était super cool, encore une fois. J'ai adoré ce jeu. Allez! Ciao les crows, à la prochaine.